Bonsoir à tous, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Twitch du Cercle Aristote pour Telle est la question, la première. C'est la nouvelle émission du Cercle. Une fois par mois, deux heures d'échange avec un invité d'exception auquel vous pourrez poser toutes vos questions. Abonnez-vous à cette chaîne, nous avons besoin de votre soutien. La liberté des idées, vous le savez, n'a pas de prix, mais elle a un coût et les bénévoles du Cercle Aristote comptent sur vous. Nous comptons aussi sur vous ce soir pour dépasser les 100 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Il y a quelques minutes, nous étions à 50 du compte. Ce serait vraiment un bel événement que ce soir, avec Florian Philippot, mon invité, nous puissions franchir ce cap. Alors, pour cette grande première, donc, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Florian Philippot. Florian, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir Rémi, bah, très bien. Écoute, c'était pour moi assez naturel finalement de te contacter pour cette première émission, pour deux raisons au moins. Déjà, tu le sais, j'ai beaucoup d'affection et d'estime pour toi à titre personnel. Et surtout, pendant deux ans, j'ai été le témoin de ta pugnacité, de ton courage dans la défense des Français. Et pour avoir navigué un peu dans le monde politique pendant quelques années, je sais que rencontrer des personnalités à la fois sincère, sympa et courageuse et suffisamment rare. Et donc, c'est vraiment un grand privilège de te recevoir et je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Ben, merci beaucoup et ben, je suis très heureux de faire la première de cette émission à qui je souhaite un grand succès et une longue vie. Voilà. Ben, on va faire en sorte que ça se passe au mieux pour toi, pour vous aussi qui nous regardez. Alors ensemble, nous allons aborder l'actualité de la dystopie un peu française. Ton ouvrage, Crise, dont nous allons beaucoup reparler, que j'ai vraiment énormément aimé. Tenter de comprendre aussi l'homme derrière le politique. À vous qui nous regardez, de poser toutes vos questions à Florian Philippot. Avant de commencer cette émission, je voudrais vous dire que j'ai tenu à la dédier à Karine C, qui avait 37 ans. Elle était soignante. Elle a été suspendue et elle a mis fin à ses jours il y a quelques heures. Elle était membre d'un collectif. Elle s'est beaucoup engagée pour la réintégration des soignants suspendus. Elle laisse deux enfants de 7 et 3 ans. Et ce soir, toutes nos pensées vont vers elle et vers sa famille. Alors, Florian, commençons par l'actualité, un petit peu la dystopie. Les sujets sont nombreux. Malheureusement, s'il y a deux ans, on nous avait expliqué un peu à quoi ressemblerait l'ordre du jour d'un journal télévisé en France, personne n'y aurait cru. Et cette semaine, au Parlement européen, sera discuté, finalisé, le texte permettant l'instauration en Europe d'un certificat d'identité numérique, d'un passeport d'identité numérique, qui est présenté comme une forme de coffre-fort sur lequel les citoyens européens, avec mille guillemets, pourront stocker leurs informations, des documents de santé, etc., de sorte à faciliter, en tout cas c'est la promesse de la Commission, les démarches administratives et des démarches économiques. Moi qui suis très bordélique, je me dis que c'est plutôt une bonne idée, non, ce certificat d'identité numérique européen ? Ça vous est toujours présenté sous un angle très pratique. C'est comme l'euro, si vous voulez. L'euro, c'était très simple. Ça permettait de plus convertir sa monnaie quand on traversait la frontière. Bon, ne réfléchissez pas plus. Voilà, c'est bien. C'est pratique. Là, c'est pratique parce qu'effectivement, bah, vous aurez toutes vos infos au même endroit. C'est assez simple. Un petit mot de passe et hop, on y est. En réalité, si on creuse le sujet de l'identité numérique, parce que c'est ça, c'est un sujet beaucoup plus problématique. Parce qu'il n'aura pas échappé quand même, je crois, aux personnes qui nous regardent, en particulier aux gens qui nous regardent, qui sont peut-être plus avertis que les autres, que tu parles de dystopie là depuis deux ans et demi, effectivement, ceux qui nous dirigent, nous gouvernent, aiment beaucoup jouer avec le numérique depuis deux ans et demi. Ça a commencé avant, mais enfin, ça s'est beaucoup accéléré, toutes les histoires de passes, de QR code. Alors, les passes, on annonce de nouvelles générations de passes, là, le pass carbone, peut-être qu'on va en reparler, j'imagine. Bon, voilà. Et donc, là, l'identité numérique, c'est vraiment le risque suprême, c'est que justement, tout est centralisé. Toutes tes informations sont centralisées exactement au même endroit. Parce que moi, je me suis intéressé au texte européen en question. Il y aura les données d'état civil, bien sûr. Il y aura des données potentiellement bancaires, comptes en banque, etc. Des données de santé, carnet de vaccination, etc. etc. Et puis d'autres données, possiblement. Et en réalité, on dit c'est très simple. Oui, c'est très simple, mais c'est aussi très simple pour eux.
C'est aussi très simple pour eux pour faire des connexions entre tout cela et pour créer éventuellement bah, des liens. Alors, tu veux, on vous voit sur ton compte en banque que tu dépenses, mais en même temps que tu n'as peut-être pas le bon carnet de santé ou le bon vaccin pour prendre le voyage, enfin le billet d'avion que tu souhaites prendre, etc. Oui, parce qu'il y aura notamment les données de santé sur ce. C'est ça, il y aura les données de santé et carnet de vaccination. Mmh. Encore une fois, pour que ce soit bien pratique, bien sûr. Hein, c'est toujours pour votre bien, hein, comme tout a été fait depuis 2 ans et demi pour notre bien. Ça a toujours été fait pour notre bien, il n'y a pas de souci. Et donc là, c'est ça le risque. Le risque, qui est un risque, à mon avis, bien calculé et bien construit, hein, c'est que tout peut être mis en relation parce que tout est centralisé. Et plus un système est centralisé, plus il est dangereux. Vous voyez, les fondateurs, les créateurs des crypto-monnaies ont ultra décentralisé parce que justement, pour éviter cela, pour éviter que la centralisation des mêmes informations sur une même personne dans une main qui soit pas forcément une main très bienveillante, et je suis pas persuadé que l'Union européenne soit, et les gouvernements qui lui ont prêté allégeance, comme le nôtre malheureusement, soit très bienveillant en fait avec nous. Et donc moi je dis, nous n'avons aucun intérêt. Alors si c'est juste une question d'être un peu moins bordélique, bon moi je le suis aussi. À nous de nous organiser, de nous améliorer. Mais je crois que on peut faire ce petit effort et éviter l'énorme inconvénient d'une centralisation de toutes nos données de manière numérique au même endroit, dans les mains de gens qui ne sont pas bienveillants. Voilà, c'est ça le danger de l'identité numérique. Et puis derrière l'identité numérique, bah, on va tout enchaîner. Tu auras l'euro numérique, tu auras tout cela, avec à chaque fois des dangers supplémentaires. Et alors, c'est drôle parce que quand je préparais là, notre entretien, je me suis tourné vers la presse française sur ce sujet, tu le montres bien, qui est extrêmement important d'un point de vue démocratique, de nos libertés. Pas un article dans la presse cette semaine, comment tu l'expliques ? Je crois que ça surprendra personne. On préfère parler de la dernière saillie de Sandrine Rousseau contre les barbecues son admiration du nouveau de la mascotte des JO parce que ça ressemble à un vagin, c'est ça, ou un clitoris géant ou un frige, fabriqué, je sais pas quoi. En Chine, ouais. Voilà, c'est ça. Enfin, son symbole délirant là à l'Assemblée féministe. On préférera parler des dernières polémiques un peu idiotes. Je sais pas. Faire Quatennens, tout ça, tu vois, c'est ça en permanence, le feuilleton médiatico-politique français, c'est ça, c'est-à-dire 90% est parasité par de la bêtise pure, qui ne sont pas du tout les vrais sujets de préoccupation des Français, les vrais sujets d'intérêt pour le pays, mais ça amuse la presse, voilà. Et effectivement, ce sujet-là est complètement absent, mais enfin, comme l'euro numérique d'ailleurs est totalement absent, alors que c'est un sujet qui est dans les tuyaux depuis quelques années. Toi qui connais bien les médias, c'est quoi ? C'est une logique commerciale, on va à ce qui fait le plus de clics, ou il y a une volonté véritable vraiment de d'occulter les sujets de première importance ? Alors, je crois que la première raison, c'est la fainéantise de l'immense majorité des journalistes. C'est même pas du calcul. C'est juste que c'est un tout petit peu compliqué de se renseigner sur ce qu'est l'identité numérique, etc., d'aller voir les dossiers qui sont traités au Parlement européen parce que c'est un peu austère, c'est un peu aride, etc. Et donc d'abord, je crois qu'il y a vraiment ça. Il faut savoir que les journalistes français, à mon avis, sont parmi les plus fainéants du monde. La preuve, leur production est nulle. Enfin, je veux dire, les journaux français sont nuls. Nuls. Tu vois la presse étrangère, je parle même pas de l'idéologie là, tu vois. Je regarde les journaux anglo-saxons, qui parfois propagent la même idéologie, même si je trouve qu'il y a plus de diversité, mais enfin bon. Quand même ceux qui sont quand même très bien pensants, je trouve qu'ils sont plus construits, ils sont plus intéressants, ils sont plus argumentés, ils sont plus fouillés. Les journalistes français, d'abord, sont des grosses feignasses, pour la plupart d'entre eux. Ensuite, il y a évidemment un calcul, il y a quand même aussi un calcul idéologique, un calcul politique, au sens où il faut éviter que le peuple, c'est des jeux et c'est toujours la même chose, tu veux. Et donc il faut éviter que le peuple ne s'intéresse de trop près aux sujets de préoccupations réelles et qui pourraient éventuellement lui mettre la puce à l'oreille. Alors un sujet dont ils ont parlé le 14 novembre, quelques jours sur BFM TV, était organisée une grande soirée 2050 Ouvrons les yeux, consacrée au changement climatique, lors de laquelle a été abordé le sujet, tu l'évoquais, du pass carbone. Alors le pass carbone, pour ceux qui le découvriraient, il s'agit d'une sorte de
permis à points, hein, vous avez un quota de points carbone en fonction des achats que vous effectuez, et puis une fois que vous avez atteint ce quota-là, vous ne pouvez plus consommer, sauf à acheter un droit de polluer. Ça fait des mois que t'en parles, les complotistes avaient raison avant tout le monde. Oui, oui, c'est vrai que moi j'avais fait des vidéos là-dessus au début de l'été, qu'à l'époque c'était complotiste, et c'est tellement complotiste que BFM finit par en faire une soirée, d'ailleurs vraiment une soirée qui fait une grosse pub, une grosse promotion. C'est spontané pour toi ou non, là il y a un service truc. Commandé. Ah non, parce là que il y a. Ça arrivait en même temps, effectivement, c'était très. Ça vient de nulle part, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça vient de nulle part. C'est BFM TV qui est quand même, je pense vraiment parmi les chaînes info la chaîne de l'oligarchie, enfin vraiment la plus marquée. Le canal de transmission du pouvoir, quoi. Et donc je pense que non, c'est pas du tout à mon avis le hasard. Je pense qu'il y a une opération. Alors Le Parisien avait fait un ballon d'essai. Hein. Il y avait un article du Parisien cet été. En fait, c'est un vieux projet qui est là des années 90, plutôt anglo-saxon. Et là, c'est vrai que l'opportunité de la guerre d'Ukraine est formidable parce que ça leur donne un superbe argument pour essayer de le mettre en place. Bon, bah écoutez, ce qui m'a un petit peu inquiété quand même, et là aussi c'est quand même significatif, ils ont même fait un sondage, Elab, pour BFM TV, et ils ont interrogé les Français, est-ce que vous êtes pour ou contre un pass carbone ? Ils sont toujours d'accord, les Français. Alors, pour l'instant, ils sont contre, mais ils sont contre, 52%. Pardon. Ceci dit, d'accord. Faire un sondage sur un truc, parce que c'est vrai que j'ai raconté ça à des amis qui me disent, mais enfin, tu sais, tu fais un sondage sur quelque chose, nous on sait ce que c'est que le pass carbone, enfin, tu fais aujourd'hui un sondage sur les Français sur le pass carbone, 99% des Français ne savent absolument pas ce que c'est. Donc en fait, la valeur du sondage est très relative. Ceci dit, spontanément, les gens ont quand même dit je suis pour à 48%. Ce qui est pas hyper rassurant. Mais comme on sort de 2 ans et demi de lavage de cerveau, où on vous explique qu'il faut accepter de renoncer à des libertés pour le bien commun, pour l'intérêt général, et qu'en plus l'intérêt général, là c'est quand même l'intérêt général suprême, c'est-à-dire la planète, le climat, etc. Voilà, c'est assez inquiétant de ce point de vue-là. J'espère que les anticorps naturels du peuple français vont se réveiller un peu parce que on n'a rien à y gagner. D'abord, ceux qui sont sincèrement attachés à la cause environnementale, j'en fais partie, je pense toi, enfin on y est tous aujourd'hui très attachés, ça n'est pas un projet environnemental. Parce que c'est justement un projet qui vise à ce qu'on garde le même monde, libre-échange, tu vois, le monde très pollueur en réalité, très destructeur, mais on y met dessus des restrictions de liberté et un système de caste. Parce que comme tu le dis très justement, si tu n'as plus de points, tu les rachètes, à condition que tu aies les moyens de les racheter. Donc les très riches pourront, comme aujourd'hui, tu as déjà le même système parmi les entreprises. Et donc en fait, ça te préserve de changer le monde, alors qu'il faudrait changer le monde. Moi, je suis très favorable aux circuits courts, aux localisations, c'est beaucoup plus écolo au vrai sens du terme. Et à côté de ça, on t'ajoute des restrictions de liberté et un système de caste. C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, pour les pauvres et pour beaucoup de classes moyennes, ce sera plus d'avions, moins même de déplacements en voiture, etc. Et plus de viande. Alors, tu pourras manger les insectes, hein, ça tombe bien, parce que l'Union européenne vient d'autoriser les insectes pour l'alimentation humaine. Et que Monsieur Gates, on va dire que c'est complotisme, enfin c'est quand même la stricte réalité, Bill Gates a investi massivement dans des grandes entreprises pour l'alimentation humaine d'insectes. Plus de la vente, mais les insectes. Voilà, exactement. La vente, non, c'est pas bien, les insectes, c'est très bien. Et par contre, pour les riches, bah, ce sera autant que tu veux, prendre l'avion, continuer, même avec les jets, hein, pourquoi pas, puisque de toute façon, ils sont exemptés des règles. Et puis, eux, de la viande, s'ils le souhaitent, autant qu'ils le souhaitent. Donc, c'est ça, ce monde-là, ce qui ressemble au Covid. Les très riches, les amis du pouvoir n'ont jamais montré leur passe, n'ont jamais mis le masque, sauf s'ils étaient eux-mêmes convaincus. Enfin, la plupart du temps, ils s'exemptaient de ce qui était la règle pour les gueux dont nous faisions partie. C'est vrai que c'est drôle d'ailleurs parce que même si nous on est des gueux réfractaires. Quand on parle avec les gens aujourd'hui, ils reviennent un peu sur la période Covid en disant oui, c'est vrai que le passe sanitaire c'était dégueulasse, mais si on embraye sur le passe carbone, ils nous disent bah oui, mais il faut qu'on change nos modes de vie. Comme voilà. Si chaque sujet, en fait, on était un peu sur le rocher de Sisyphe, qu'on doit reprendre le travail d'éducation à zéro. C'est un peu désespérant, non ? Il n'y a pas de phénomène d'apprentissage, en fait. Il n'y a pas de. Alors, il y a un peu quand même. Oui, si tu as raison. Hein. Malheureusement, il y a cela. Et il n'y a pas que ça. Il y a quand même aussi beaucoup de gens qui ont ouvert les yeux. Je vais te dire, hein, il y a énormément de gens. Il y a 2 ans et demi, tu leur parlais de l'actualité politique, tout ça, ça leur passait à 3000 km au-dessus. Alors tu leur expliquais, tu leur disais le mot mondialisme, ou tu vois, ou tu leur parlais de, je sais pas, de Davos, de l'Union européenne, tout ça, ça leur passait 3 km au-dessus. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, moi c'est marrant parce qu'elles me le racontent, se passionnent pour tout cela.
ont un avis, se sont fait une opinion. Moi, je trouve ça formidable, tu vois. Donc ça, c'est quand même un acquis. Et ces gens-là, tu les feras pas changer, hein, c'est fini. Bien sûr. Eux, ils ont compris, ils ont pigé. Et c'est quand même plusieurs millions de Français. Alors, c'est pas suffisant, c'est pas assez. Enfin, c'est quand même cela, plus tout ce qui se passe à l'étranger. Il n'y a pas que la France, loin de là. C'est vrai que c'est un travail colossal. Hein. On ne rappellera jamais assez que pendant au moins 2-3 ans, hein, la résistance en France, la résistance française, c'est surtout faite par de la contre-propagande avant de... Ce sont nos armes. Plus loin. Donc c'est les armes que nous avons. Effectivement, cette prise de conscience a été en partie réussie, en bonne partie réussie. En partie, pas suffisamment. Pas suffisamment. Et puis tout un écosystème s'est créé. Bah, tu en es une illustration. Rémitel, il y a 2 ans et demi, bah, t'étais pas hyper connu. Enfin, tu vois, je veux dire, non, je bossais pour les Républicains. Voilà, bon, enfin, voilà. Je militais. Moi, je ne te connaissais pas, etc. Entre-temps, tu as créé un collectif, tu es venu, tu as acquis une notoriété sur les réseaux sociaux, etc. Et puis tu as créé, vous avez créé cette émission. Et puis, des exemples comme ça, même des choses qui existaient. Par exemple, TV Liberté existait. Enfin, qui regardait TV Liberté il y a 2 ans et demi, 3 ans? Beaucoup moins de monde. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est un truc qui est installé auprès de millions de Français. C'est intéressant. Donc tout ça, c'est un écosystème qui s'est créé. Il y a des avocats qui ont rencontré des médecins, qui ont rencontré des politiques, qui ont rencontré des chercheurs, qui ont rencontré des sportifs, qui ont rencontré des étudiants, tu vois. Et tout ça, c'est quand même... moi, je trouve que c'est beau quand même, oui. Tu vois. Il faut quand même jamais... Il faut bien pas sûr. Non plus se dire on n'y arrive pas. Oui, bien sûr, non. On n'y arrive pas pour l'instant. On n'a pas le pouvoir, on n'a pas réussi à changer le cours des choses totalement, bien sûr. Faut mais il y a des acquis. Mais oui, il s'est passé des choses importantes et il se passe des choses importantes. Alors hier, sur la question du travail et du chômage, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a présenté les nouvelles orientations du gouvernement concernant la réforme de l'assurance chômage, qui prévoit notamment de réduire d'un quart la durée d'indemnisation pour les Français. Alors il y a des conditions. Il faut que le taux de chômage au national soit inférieur à 9%, et il faut qu'il n'y ait pas de progression sur un trimestre ou un semestre, je crois, de 0,8 points. Comment tu réagis, toi, à cette évolution-là? Je trouve... Alors, je vais te dire d'abord sur le fond de la mesure. Je trouve que c'est d'une dégueulasserie totale. Pourquoi? À un moment, quand même, où on sait qu'on va rentrer en récession. On sait qu'il y a une forte inflation et qu'elle est durable. Donc c'est pas facile pour tout le monde. Même pour beaucoup de gens, ça va être de plus en plus difficile. Il y a toutes ces difficultés qui nous tombent sur la tête. La vie n'est pas facile en ce moment. Enfin, je veux dire, on t'entend parler de coupure de courant, on t'entend parler... Enfin, il y en aura d'ailleurs probablement, malheureusement. Il y a la guerre à nos portes, il y a une épidémie qui est toujours à moitié là, bon... Et on te rajoute ça sur la tête des chômeurs, dont l'immense majorité, bien sûr qu'il y a quelques profiteurs, quelques fraudeurs, bien sûr qu'il y en a, et il faut ces gens-là aller chercher, leur dire arrêtez votre délire, parce que c'est juste pas possible. Mais l'immense majorité, tu le sais bien, je le sais bien, on le sait, c'est pas ça. Ce sont des gens d'abord qui subissent leur situation, qui font tout. Il y a des gens, moi je connais des gens qui ont envoyé 150 CV. Il s'agit pas de traverser la rue, hein, comme c'est pas vrai, ça. Enfin, il y en a pour lesquels traverser la rue ou envoyer un texto à Macron suffit pour retrouver du travail. Certains, mais oui. C'est pas le cas du commun. Non, en plus, c'est tellement pervers leur système, c'est qu'à côté de ça, là où tu pourrais chercher du boulot dans des secteurs en tension, tu vois, ils te créent un titre de séjour pour faciliter l'embauche dans ces postes-là d'étrangers, y compris en situation irrégulière. Donc c'est hyper pervers, parce que ces gens-là, tu seras jamais compétitif par rapport à eux, parce que le Somalien ou le Malien, lui, il acceptera de bosser pour en France, le SMIC, en l'occurrence, mais il accepterait même de bosser pour 200 euros. Hein. Et donc, toi, qui exigeras peut-être un peu plus que le SMIC, parce que c'est un boulot très dur, eh ben non, tu seras pas pris. Pourquoi? Tu vois? Donc c'est très pervers. Alors en plus, je veux dire pourquoi je suis encore plus contre cette mesure, et c'est que je sais d'où elle vient. C'est une contrepartie du plan Covid, du plan de relance européen de juillet 2020. Je l'ai dit ça dès le départ. J'ai dit il y a deux contreparties, il y a la réforme des retraites et il y a la réforme de l'assurance chômage. On peut reprendre mes vidéos à l'époque, je l'ai dit, je l'ai écrit. Le FMI d'ailleurs demande la même chose. Il y a eu un rapport sur la France qui est sorti hier du FMI qui s'ajoute à l'Union européenne. Donc si tu veux, quand on voit que ce sont ces instances-là qui ne veulent pas notre bien et qui n'ont jamais produit de bien ces dernières décennies dans notre pays, qui le demandent, bah, j'ai une deuxième raison d'être contre. D'accord. Partons un peu à l'étranger maintenant. L'actualité est mi-terme aux États-Unis. Bon, c'est une demi-victoire a priori pour les Républicains. Alors cet après-midi, il semblerait que le dernier état des lieux du Sénat donne une légère avance
d'un siège aux Républicains au Sénat. Ils ont récupéré la Chambre des représentants à une courte majorité. Et il y a certains États qui, un peu comme en 2020, posent déjà problème. Et pensons par exemple à l'Arizona, dans le comté de Maricopa. On a suspendu la certification du vote. La candidate au poste de gouverneur, là cette fois, puisqu'il y avait la Chambre des représentants, le Sénat et les gouverneurs, demande un audit, demande des explications. Est-ce qu'il y a eu des fraudes? Et plein de référendums. Ouais, il faut quand même dire. Dont certains, d'ailleurs, il faut le souligner, aux intitulés complètement délirants et aux résultats complètement délirants. Je pense par exemple à la Californie, il y a eu des sujets encore questions de bioéthique complètement dingues. D'accord, mais ça ne m'étonne pas trop de la Californie. Mais il y a aussi des référendums que j'ai vus beaucoup plus intéressants et je me suis dit que c'était quand même supérieur à ce qu'on a en France. On n'a plus aucun référendum. Moi, j'avais entendu que le Sénat, c'était fini pour les Républicains, donc je ne sais pas si ça a changé. Moi-même, c'est la Société de presse cet après-midi. Ok, donc tant mieux. S'il y a encore un espoir, tant mieux. Pour la Chambre des représentants, je crois que c'est gagné, c'est même sûr. Donc c'est quand même... ils n'avaient rien, ils n'avaient aucun des deux. Ils en ont maintenant au moins un des deux, c'est déjà pas mal. Ils pourront quand même bloquer pas mal de choses et lancer des enquêtes parlementaires. Ils ont déjà annoncé des enquêtes très intéressantes, y compris sur la famille Biden. Et sur les décisions qui ont été prises sur l'Ukraine, le Covid, etc., c'est quand même pas rien. Donc ça, c'est quand même un acquis intéressant. Bien sûr que... Je sais pas ce qu'on peut dire, parce que ça va être diffusé où c'était l'interview. Moi, je fais très attention sur ces sujets-là. Sur YouTube, alors disons que peut-être il y a un peu d'incompétence dans l'organisation. On va dire que les régions démocrates dépouillent très lentement. Voilà, c'est les régions démocrates, comme en 2020, lors de l'élection présidentielle américaine, dépouillent très lentement. Chacun en tirera les conclusions qu'il veut, mais il y a ensuite des résultats un peu surprenants parfois. Voilà. Mais je pense que tout le monde nous aura compris. Ce qui veut dire que n'importons surtout pas en France le vote par correspondance, que Macron a tenté de nous refourguer là ces deux dernières années. Ou le vote électronique. Vote électronique, il y en a un petit peu en France. Il y a du vote sur machine en France, il y en a, et c'est de trop, il n'y en a pas beaucoup, il y en a trop. Il ne faut pas qu'il y en ait du tout. Moi, je suis contre tout ça. Papier, bulletin de vote, urne, isoloir. Voilà, bonne vieille méthode, et puis quand même des scrutateurs, des représentants des différents candidats. Je connais pas d'autres méthodes. Sinon, il y a toujours une suspicion, il y a toujours un doute, voire une réalisation. Et alors, comment tu vois l'avenir du Parti républicain? Trump semblait être une figure indépassable chez les républicains, et puis on voit d'autres personnalités émerger, par exemple Ron DeSantis, le gouverneur de Floride. On prétend qu'il pourrait se présenter face à Trump. Il y a aussi des questions qui se posent sur Trump parce que il avait déclenché cette fameuse opération Warspray, je crois, à la fin du mandat, qui avait un peu précipité aussi les choses sur la vaccination. Comment tu perçois les choses là sur la suite des républicains aux États-Unis? Écoute, je suis pas américain, donc je vais pas rentrer trop dans le détail parce que je pense qu'il faut être américain et avoir leur propre débat pour avoir un avis très éclairé. J'avoue que moi, de la distance que j'ai, j'ai beaucoup de respect pour Trump, quoi qu'on pense de lui, etc. Mais j'ai honnêtement, je constate qu'il n'a pas fait de guerre pendant son mandat. Je suis à peu près persuadé que si Hillary Clinton avait gagné en 2016, ce qui se passe en Ukraine, on l'aurait eu dès 2018. On en parlait beaucoup à l'époque. Il faut quand même se remettre dans... Elle était très agressive contre la Russie dans sa campagne en 2016. On comprenait bien ce qui allait se passer. Lui, je pense qu'il a bloqué en fait les choses. Ça a été un peu une parenthèse. Il a aussi été courageux dans sa dénonciation de Big Pharma. Alors même si effectivement sur le vaccin, il n'a pas fait tout ce qu'on aurait aimé. Et y compris sur le Covidisme, les libertés, etc. Donc moi, j'ai quand même... Et puis protectionniste. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Et donc Et puis cette manière parfois d'envoyer balader le système, moi j'adore. Donc ça c'est quand même un acquis. Donc j'aurais toujours un grand respect pour lui et je préfère mille fois un Trump à toute cette clique de président à mon avis totalement corrompu avant lui et après lui. Maintenant Ron DeSantis, moi de ce que j'en ai vu de loin, donc je n'en ai vu essentiellement que sa gestion magnifique du Covid en Floride. J'ai énormément d'admiration parce que lui, pour le coup, il a été, je pense, la figure de proue de défense des libertés pendant cette crise aux États-Unis. Il a refusé toute vaccination obligatoire, tout masque obligatoire. Il a pris des lois, des décrets, ou je sais pas comment ça marche là-bas. Enfin, des décisions au niveau de son état. Et il a tenu bon. Il a fait des discours contre Davos, etc. Donc vraiment, moi, je dis. Oui, il a une vision globale. Si un des deux est président américain en 2024, je suis content. Quoi. Ouais. Alors, je sais pas comment ils vont. Est-ce qu'ils vont faire la guerre ou est-ce qu'ils vont trouver une entente et un ticket?
Qu'est-ce qui est mieux d'ailleurs pour qu'il gagne? Peut-être qu'il faut qu'il se fasse la guerre. Peut-être que c'est pas dramatique qu'il se fasse la guerre et qu'ensuite il y en a un très fort qui sorte et puis qui batte le candidat démocrate. Ou alors il est peut-être préférable qu'il fasse un ticket. Je sais pas, j'en sais rien. Je suis pas stratège américain. Je connais pas assez leur système politique. Mais en tout cas, je pense que si c'est l'un des deux qui gagne en 2024, c'est quand même infiniment préférable à Biden ou à un de ses successeurs. Bien sûr. Restons à l'international, mais déplaçons-nous dans le Pacifique maintenant. Il y a quelques jours, tout le monde a suivi le G20 qui réunissait les leaders du monde globalisé à Bali. Il y a deux points que je voulais aborder avec toi. D'abord, ce 23e point du communiqué final là, qui explique que la gestion de la pandémie de Covid-19 a été une telle réussite qu'elle doit servir d'inspiration pour les pandémies futures, mais aussi pour prévenir les pandémies futures. C'est quoi? C'est la nouvelle normalité? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la nouvelle normalité. C'est même plus explicite, le 23e point, ce communiqué final du G20, il parle explicitement de passe sanitaire, en fait. De rétablissement, de passe sanitaire, avec les outils numériques, c'est quand même cité. Et là, sur le modèle. Lien avec l'identité numérique, tous les sujets qu'on abordait avant. Ah bah. C'est-à-dire que, il faudra pas se plaindre, si on accepte l'identité numérique, il faudra pas se plaindre derrière que le QR code de votre identité numérique soit en même temps un passe sanitaire, voire en même temps un passe carbone. Non, mais je veux dire, le même QR code pourra servir à beaucoup de choses. En tout cas, ce 23e point, le G20 a parlé explicitement de mettre en place, je crois de manière pérenne en fait, Covid ou autre virus, bon, un pass sanitaire international entre les frontières, entre les pays. Moi, j'en veux pas. J'en veux pas, mais je suis pas surpris. À partir du moment où on a testé ce système-là, eh bien, il est pas normal que certains aient envie de le pérenniser. Le ministre indonésien de la santé, donc qui recevait l'événement, hein, c'était à Bali, a fait une intervention en table ronde en disant explicitement que il a explicité ce point 23 pour ceux qui n'avaient pas bien compris. Il a dit on s'est mis d'accord pour un certificat numérique style certificat numérique Covid. Donc lui, il l'a dit clairement. Je crois que c'est exactement ça. Les combats ne sont pas terminés. Voilà, c'est tout. Les combats ne sont pas terminés. Ils sont loin d'être terminés. En réalité, ils sont loin d'être terminés. Mais il n'y a pas que des pays favorables à ce système-là non plus dans le monde. Il y a beaucoup de pays qui n'accepteront pas ce système-là, surtout s'il y a un renversement de majorité aux États-Unis en 2024. Les combats ne sont pas terminés et nous les mènerons tous ensemble. Autre point là qui a un peu retenu l'attention sur le G20, c'est cette séquence assez hallucinante entre Xi Jinping, le président chinois, et Justin Trudeau, Xi Jinping faisant la leçon à Trudeau sur des éléments de discussion qui auraient été révélés dans la presse. De quel côté tu penches? Est-ce que c'était plutôt le plaisir de voir Trudeau souffleter ou l'inquiétude quand même vis-à-vis d'une Chine de plus en plus conquérante qui désormais n'a plus peur de toiser le monde occidental? Alors moi je vais dire sur cette discussion-là, je suis du côté Xi Jinping. Il lui dit « vous êtes mal élevé ». On a une conversation et vous la révélez dans la presse, ça ne se fait pas, ce sont les usages. Ça m'a fait penser à Macron. Poutine lui a fait la même chose. Quand Macron parle au téléphone avec Poutine et qu'en fait il convoque France 2, qui s'est filmé et que les extraits se retrouvent ensuite dans les médias, je suis désolé, ça ne se fait pas, ça ne s'est jamais fait, ça ne doit pas se faire. Parce qu'il est évident que si vous le faites une fois, ensuite, votre interlocuteur n'a plus confiance. Donc soit il vous prend plus au téléphone, soit il vous prend mais il vous dira rien, parce qu'il saura pas si vous n'êtes pas en train de l'enregistrer, voire de programmer tout ça avec un journaliste. Donc moi je trouve que Xi Jinping, il a souffloté le gamin mal élevé Trudeau, clone de Macron, c'est les mêmes. Trudeau peut-être encore un peu plus dingue. Ouais, Sunak, Trudeau, Macron, enfin. C'est la même clique, la même clique de Davos, tout ça. Mais enfin c'est la même clique, espèce de d'amoureux d'eux-mêmes, qui sont complètement détachés de la longue histoire de leur pays, qui sont complètement mondialistes dans leur tête évidemment, et qui en plus sont mal élevés et donc nuisent à leur propre pays, évidemment. Enfin, nuisent à l'influence, lui, du Canada, chez nous, de la France. Nuisent à notre crédibilité, nous ridiculisent. Donc, il y a eu raison de le souffloter. J'ai beaucoup aimé cette scène. Sur la Chine, je sais pas.
La Chine, traditionnellement, n'a jamais été une puissance. C'est l'empire du milieu. Hein. Mmh. C'est pas une puissance qui a. Alors bien sûr, ils ont eu. Il y a les routes de la soie. Il y a une envie d'expansion économique. Il y a ce qu'ils font en Afrique. Enfin, c'est pas les seuls. Hein. Bon, bien sûr, ils débordent un peu parce qu'ils sont une très grande puissance aujourd'hui économique. Mais ils n'ont jamais dans leur histoire eu cette volonté hégémonique. Militaire ou politique, contrairement aux États-Unis, hein, au passage. Bon. Je suis pas particulièrement inquiet. Je suis inquiet quand on copie leur modèle stupide, par exemple, de gestion du Covid. Ça, pour le coup, je suis très inquiet. Mais sur le reste, si nous avions une France souveraine, consciente de ses intérêts, je serais pas du tout inquiet. Mmh. Pas du tout inquiet. C'est pas le pays qui m'inquiète le plus. Pas du tout. Je suis beaucoup plus inquiet de notre soumission aux États-Unis. Beaucoup plus. Alors un dernier sujet d'actualité sur lequel j'aimerais t'entendre, qui est un peu un pas de côté par rapport à ce qu'on a abordé jusqu'ici. Le 9 décembre commencera la Convention citoyenne sur la fin de vie, mmh. en vue d'une légalisation possible de l'euthanasie en France. Récemment, l'actualité a démontré quelques exemples terrifiants, justement chez Justin Trudeau, où on commence à parler de l'euthanasie des personnes les plus précaires ou des enfants sans le consentement parental. Mmh. Toi, cette évolution, elle te semble nécessaire? Elle t'inquiète? Comment tu vois les choses? Je peux comprendre que certains posent le débat. Je balaie pas ça en disant ce sont des irresponsables, etc. Je peux comprendre que certains posent le débat. Et il le pose d'autant plus que parfois en France, la fin de vie est très douloureuse. 26 départements dépourvus de services de soins palliatifs. Exactement. En France. La France est très très mal positionnée, par exemple pour les soins palliatifs. En plus, il faut pas se leurrer, les soins palliatifs, ils subissent en plus la crise générale de l'hôpital. Donc, ils sont moins pourvus aussi en soignant, en attention, il y a moins de temps disponible. Or, ce sont des malades qui ont particulièrement besoin d'attention, de chaleur humaine et de, parce que voilà, c'est la fin de vie. Donc, c'est très, très, très douloureux. Donc, à mon avis, c'est beaucoup parce qu'il y a ça que pour beaucoup de gens de bonne foi, je parle des gens de bonne foi, hein, je parle pas des dingues idéologues, j'en parlerai juste après, qui ont peut-être eux d'autres projets en tête, mais pour des gens de bonne foi qui voient le sujet, je pense que ça vient de cette souffrance ou de cette incapacité à prendre en compte un sujet qui est important. On est une société vieillissante, il faut s'intéresser à ce sujet, il faut investir dans les soins palliatifs, il faut remettre de l'humain à l'hôpital, ce que demandent d'ailleurs les soignants, hein, les premiers à demander, hein, c'est leur métier, hein, c'est ça leur vocation, c'est pas autre chose. Hein. Je crois qu'il faut travailler beaucoup là-dessus. Il me semble que la loi Leonetti, il y a eu deux lois, hein, est assez équilibrée, et moi je ne changerai pas en réalité les termes de cet équilibre. Voilà. Parce que derrière, et j'en viens effectivement à cela, je pense que si on ouvre cette boîte de Pandore, on tombera, vu l'époque. Je pense que notre époque... Les contraintes budgétaires aussi. Oui, contraintes budgétaires, mais aussi idéologiquement, notre époque n'est pas sage. Notre époque va sur des expérimentations, notre époque a peu de respect pour l'humain, et donc je crains beaucoup cette époque, et je crains beaucoup de ce qu'elle peut faire de ce débat-là. Et donc je ne souhaite pas, en particulier... Vu le climat parfois dangereux qui règne, par exemple, je te donne un autre exemple. Par exemple, quand on dit que des enfants maintenant à 3 ans peuvent décider de leur sexe, au point de subir une opération qui sera mutilante à vie, qu'ils regretteront peut-être un peu plus tard, ou même quand ils sont adolescents, un âge où on peut avoir quelques soucis, etc. Il vaut mieux essayer de voir comment on peut régler ça, aider le jeune, etc., plutôt que tout de suite lui proposer d'entrer dans un processus irréversible, chirurgical, mutilant, très, très, très lourd, très, très lourd, et donc psychologique aussi très difficile, peut-être ensuite à vivre. Tu vois, notre époque, elle est capable de ça, donc elle est capable aussi du pire, je pense, sur la fin de vie. Donc je ne souhaite pas, moi, pour être clair, qu'on aille plus loin que la loi Leonetti. Mais je souhaite en revanche qu'on investisse énormément dans l'hôpital et dans les soins palliatifs en particulier. Merci beaucoup Florian, on termine cette première partie sur l'actualité. Merci d'être très nombreux, je sais, je reçois des messages que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre là ce soir, il y a beaucoup beaucoup de monde. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne Twitch et vous pourrez poser vos questions à Florian Philippot dans quelques minutes. Et d'abord, on va parler de ce livre Crise, qui est un livre que tu as publié il y a un mois et demi, enfin il est tout neuf. Oui, c'est ça, début septembre, je crois.
qui est un livre absolument passionnant. Je dois dire que même quand on est immergé dans le combat contre l'oligarchie mondialiste, on apprend plein de choses. Et en plus, il est très bien écrit, ce qui est toujours très... déjà à la fois assez rare et en plus très agréable. Une question peut-être sur la jeunesse de l'ouvrage. Je me rappelle avoir vu sur Instagram, je vois, tu disais, je réfléchis à l'écriture de ce livre, je commence un nouveau livre, et puis finalement quelques semaines après, il était dans les bacs. D'ailleurs, j'imagine qu'il est disponible sur le site des Patriotes, ouais, sur les plateformes, ouais, en manif, etc. Oui, tout à fait. Alors, je voulais savoir, voilà, quel est le... Je sens chez toi une très grande discipline, et on en avait parlé plusieurs fois dans l'écriture. Comment tu écris ces livres-là? Alors, comment en fait, tu procèdes? Quelles sont tes recettes? La première fois que j'ai écrit un livre, j'ai sorti un livre, c'était Frexit, et c'était fin 2018, donc bien avant le Covid, tout cela. Bon, je venais de créer Les Patriotes depuis un an, et c'est vrai que un de nos grands marqueurs, c'est le Frexit. Bon, la sortie de l'Union européenne. Donc, je voulais expliquer tout ça. Voilà. Donc, j'avais travaillé beaucoup sur Frexit, qui est un livre un peu plus épais que celui-là. Là, il était aux éditions L'Artilleur. Oui, tout à fait, oui. Et ensuite, je n'ai pas écrit de livre, et jusqu'au Covid. Et en fait, l'été 2020, je parlais tout le temps, je commençais à faire des vidéos, etc. Je m'intéressais beaucoup au sujet, comme chacun le sait. Et puis un ami m'a dit, mais pourquoi tout ce que tu dis là, t'en fais pas un livre, au bout d'un moment? Et c'est vrai. Donc j'ai fait L'Oligarchie démasquée, qui est le même format que celui-là. À peu près tous les 6 mois, je me rends compte. Mais parce que, en fait, on avance dans cette crise, et que cette crise, aujourd'hui, crise ne parle pas du tout que du Covid, parce qu'on voit qu'elle est maintenant, elle prend forme, en fait. On voit le monde qu'ils veulent construire prend forme, peu à peu, je trouve, par petites touches, tu vois. Et donc, en partant du Covid, on est allé ensuite sur l'Ukraine, sur l'énergie, puis on parle toujours un peu d'Europe, et il y a plein de choses. Donc, en réalité, on comprend un peu, ça donne une cohérence. Et donc, régulièrement, j'ai ce moment-là où j'ai envie de me poser et de mettre tout ça noir sur blanc dans un livre. Et donc je le fais. Et en fait, une fois que j'ai décidé, j'écris le plan. Il y a souvent une dizaine de chapitres. J'écris mes chapitres, les titres de chapitres. Et ensuite, j'avoue que j'écris assez vite. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai cet entraînement de faire des vidéos tous les jours, depuis 2 ans et demi. Et donc, en fait, je bosse énormément tous ces sujets-là. Faut savoir que préparer une vidéo, c'est moi qui les prépare intégralement. Donc, je me renseigne, je lis beaucoup la presse, évidemment, et d'autres sources, la presse française et internationale. Et donc, en fait, j'ai beaucoup en tête. J'ai vraiment en tête mes sujets. Donc, en fait, après, pour écrire, c'est assez rapide. Donc, après, je peux écrire rapidement le livre. Et puis, dès qu'il est écrit, je le sors. Moi, je suis toujours très, très impressionné quand on a vu ces discussions-là. De l'efficacité avec laquelle tu fais ces ouvrages, mais non, mais c'est toujours le même problème. Le problème, c'est écrire le premier mot. Oui, bien sûr. La page blanche, c'est l'horreur. Et ensuite, une fois que t'as écrit, je t'assure, c'est le premier mot. C'est un plaisir pour toi d'écrire ou c'est un peu un passage obligé parce que tu sais qu'il faut le faire pour aussi synthétiser, globaliser les choses et l'offrir au public. Je t'avoue que non, au tout début, quand j'écris, je me force un peu parce que je me dis, mais ça y est, je dois y aller. Et comme en plus j'en ai écrit avant, je sais quand même un peu l'immensité du truc. Ouais. Alors c'est pas des livres immenses, loin de là, mais malgré non, mais tout, c'est quand même un travail, il faut le écrire, ensuite il faut le recombiner, le relire, ouais, etc. Ouais. Il y a quand même du travail derrière, mais il faut être sûr de tout ce qu'on écrit. Enfin, les sources, on peut pas se planter. Donc il est très très bien sourcé. Et je vous dis à nouveau, il y a beaucoup beaucoup d'informations, moi inédites, même si je regarde les vidéos, qui en font aussi d'intérêt. Mais c'est vrai que une fois après que t'es lancé, j'avoue que une fois que je suis lancé, je l'écris assez facilement. Un chapitre par jour. Mais quasiment. Alors, pas finalisé, parce qu'après, le chapitre, je le reprendrai, je le réécrirai, je le relirai, etc. Mais c'est généralement ce que j'essaie de faire. Voilà. C'est pour ça que c'est toujours un petit peu pénible au début, parce que je sais jusqu'où je dois aller dans la journée. Et si je ne l'ai pas fait, je ne suis pas content. Donc, je me force à le faire. Florian Philippot, pour ceux qui le connaissent bien, est très exigeant vis-à-vis de lui-même. Et on le voit dans ses productions littéraires. Alors, justement, dans cet ouvrage-là, crise au pluriel, tu essaies de tracer un peu le fil rouge. D'ailleurs, entre toutes les crises, la crise énergétique, la crise de l'euro, la guerre en Ukraine, le Covid... quel est ce fil rouge pour toi? Qu'est-ce qui relie en fait ces crises multiples? La manière dont elles sont traitées dessine un nouveau monde. Toutes. Il n'y a rien traité de manière rationnelle. Rien. C'est le point commun. Il n'y a pas une crise qui est traitée normalement.
c'est à chaque fois le même processus, c'est dès le début de la crise, l'hystérie. Dès que le virus arrive en France, Macron nous dit « on est en guerre, le monde ne sera plus jamais comme avant ». C'est quand même étonnant de dire cela. Pour une épidémie qui n'est pas Ebola, si tu veux. On l'a ça quand même, on l'a su très vite. On ne peut pas dire. On ne savait pas tout tout de suite. On a su beaucoup de choses très vite quand même. Hein. Oui. Faut pas non plus refaire l'histoire. Hein. Ceux qui nous racontent, on ne savait rien pendant un an. Non. On ne savait rien pendant trois semaines. Ensuite, on a su. C'est l'intérêt aussi de ces ouvrages-là. C'est-à-dire que ça ancre des choses historiquement. J'ai fait récemment un débat avec Jean-Michel Cohen, le diététicien qui se prend pour un médecin. Et il me disait, mais c'est trop facile de faire le bilan une fois que le match est terminé. Et ce genre de livre, ça permet aussi, et puis les deux précédents, on a eu beaucoup d'infos vite. Sans sortir aussi. Hein, sans sortir. Ça permet d'ancrer les choses dans l'histoire et de montrer que non, il y a des gens qui avaient alerté quand même à un moment. Bien sûr, mais si on veut savoir, on sait. Donc en réalité, c'est ça. Regarde, l'Ukraine, la guerre, 24 février 2022, début de la guerre. Tout de suite, Macron intervient à la télé et nous dit même chose. Le monde va être bouleversé profondément, durablement, etc. Pourquoi ? Est-ce qu'on a dit ça à l'époque d'autres conflits qui ont eu lieu ? C'est pas le premier quand même. Hein. On ne disait pas ça. On traitait et puis on se mettait pas en situation nous de ruiner notre armée, de transférer là ce soir Ursula annonce 18 milliards l'an prochain pour l'Ukraine, d'avoir des coupures de courant parce que d'un coup on dit qu'il faut plus du tout aller chercher du gaz russe et machin, ni leur pétrole ni leur charbon ni rien. C'est complètement dingue. C'est des ruptures, à chaque fois des ruptures historiques dans la manière de gérer, il n'y a rien de rationnel et c'est immédiatement une volonté, on le sent, de dramatiser et d'en faire un marqueur d'un changement total et profond du monde, d'aller vers cette nouvelle normalité. C'est ça le point commun entre toutes ces crises qui, à mon avis, se conjuguent et sont très cohérentes les unes avec les autres. Alors, comment tu l'expliques ? Est-ce que anthropologiquement, nos leaders sont devenus des drama queens ? Ou est-ce qu'il y a une stratégie vraiment pensée derrière, avec les cabinets de conseil, etc., d'ingénierie sociale ? Dramatiser pour mieux sidérer l'opinion, l'empêcher de réagir et avancer son agenda. Moi, je suis absolument persuadé qu'il y a une volonté de passer à un autre mode de gouvernance du monde, qui est une gouvernance globale. Alors, tout ça ne se fait pas comme ça, c'est pas si simple, parce qu'il y a une géopolitique, il y a une histoire, il y a plein de, il y a des pays qui sont pas d'accord, il y a rien de très uniforme et très, c'est pour ça que c'est pas au sens où il n'y a pas trois personnes qui décident pour le monde entier, c'est pas comme ça que ça marche. Mais il y a une espèce d'idéologie dominante, en tout cas au moins en Occident, qui vise à passer à une autre forme de gouvernance, où on n'est plus en fait sur le monde des souverainetés nationales et des peuples, mais on est sur le monde d'une grande gouvernance transnationale, globale, qui utilise les outils globaux, notamment le numérique, qui seront les mêmes dans tous les pays, interchangeables, unifiés. Le pass est le même partout, le QR code est le même partout, par définition, il est universel. Et ça remplace la loi nationale, ça remplace la manière de voir les choses, d'analyser sagement, en prenant le temps les choses. Et donc, toutes les crises, en tout cas, mènent à chaque fois à la même solution, au même monde. Et donc, évidemment, que la dramatisation immédiate... Alors d'abord, oui, on est géré par des gens qui ont beaucoup moins de sang-froid, de résilience personnelle, de profondeur historique et culturelle et humaine personnelle. Trudeau, Macron, je suis désolé, Macron, c'est pas De Gaulle. Bon, on va me dire, merci de nous dire une telle évidence. Je suis désolé pour cette évidence un peu bébête, mais je veux dire dans le sens, mais c'est même pas non plus Mitterrand ou Chirac. Vous voyez, il y a aucune, je crois, profondeur humaine et historique et culturelle chez Macron. Il y a que un amour infini de lui-même. Donc, bien sûr, ça joue aussi, c'est sûr. Alors que les dirigeants du monde qui n'est pas ce monde-là, on parle de Xi Jinping, on peut parler de Poutine, etc., sans du tout les vénérer, hein. Mais attention, je suis pas là-dedans. Je pense ont beaucoup plus de profondeur et de recul historique, sur leurs tâches, leurs missions et leur propre pays que les petits Playmobil interchangeables qu'on a en Occident. Pour la plupart, pas tous, il reste quelques exceptions. Mais donc ça joue aussi. Et puis évidemment, bien sûr, maintenant, les cabinets de conseil les américains donnent les mêmes conseils partout. Et ce sont des conseils d'ingénierie sociale, de gestion des peuples par l'effroi, le choc, la peur, et ce qui peut ensuite faciliter les restrictions de liberté.
Alors justement, il y a un sujet qui est assez emblématique du phénomène que tu décris de politique un peu anti-nationale, hein, si je comprends bien. Ah bah c'est très anti-souveraineté nationale, par définition. C'est le cas EDF. Ouais. EDF, avec la nomination récente de Luc Rémont, validée par le Parlement et notamment par les Républicains au Sénat. Luc Rémont avait été impliqué dans la vente d'Alstom à General Electric. Mmh. Il travaillait à l'époque pour, je crois que c'était Bank of America, Merrill ouais, Lynch, c'est ça. Quelque chose comme ça. Il est là pour dépecer la souveraineté énergétique française. Est-ce que c'est conscient ou est-ce que c'est juste un basse copinage qui... Bah, alors, en tout cas, Macron n'a pas nommé à la tête d'EDF quelqu'un qui est réputé être un grand défenseur du service public. On peut pas dire ça de Luc Rémont. Sa carrière, ça a été les cabinets ministériels. Par exemple, chez Thierry Breton, quand il était ministre en France de l'économie, Francis Maire, je crois Sarkozy aussi, et qui ont pour caractéristique d'avoir beaucoup privatisé. Et lui, en particulier, s'occupait à l'époque des privatisations. Engie, tout ça. Effectivement, tu as rappelé qu'il est passé par le privé Bank of America, Merrill Lynch, au moment pour s'occuper de la vente d'Alstom à General Electric. Donc c'est pas du tout un profil de capitaine de service public, de grand commis de l'État, comme on dirait, ou en tout cas du service public. Pas du tout. À un moment où, en fait, il y a un travail très intéressant qui est fait en ce moment par un député socialiste, pour le coup, qui s'appelle Philippe Brun, je crois, pas très connu, mais Marianne publie régulièrement, suit ses travaux, qui, lui, s'intéresse beaucoup à EDF. Il a été voir, il a utilisé ses prérogatives de député, de parlementaire. Il a été demander des documents à Bercy sur l'avenir d'EDF et il s'est rendu compte qu'il y a 4 scénarios possibles d'avenir d'EDF qui sont en train d'être négociés entre l'État français et la Commission européenne et que les 4 mènent à un démantèlement. Les 4. Après la nationalisation, hein. Enfin, qu'il n'en ait pas une, parce que EDF est déjà public aujourd'hui, mais enfin, ça passerait à 100%. Et donc, lui, il dit, en fait, c'est une fausse nationalisation qui vise simplement à avoir un contrôle total pour faire ce qu'on veut, pour le dépecer comme on veut. Donc oui, moi, je crois que c'est malheureusement aussi une des choses qui a été promise à Bruxelles, et à travers Bruxelles, à l'Allemagne, un dépeçage d'EDF qui a toujours été un problème pour l'Allemagne, EDF. Toujours, 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 puisque ça nous assurait, grâce à la filière électronucléaire, une électricité beaucoup moins chère que pour l'industrie allemande, qui, elle, carbure au charbon et au gaz, plus cher en tout cas. Question un peu connexe, mais tu abordes le point de l'Allemagne. Est-ce que la remilitarisation annoncée par Olaf Scholz est en grande pompe, hein, il dit non seulement on va se remilitariser, mais on va devenir la première armée continentale, sous-entendu surpassant l'armée française. Est-ce que ça t'inquiète sur l'avenir du continent? Oui, ça m'inquiète. Je suis jamais hyper rassuré, si tu veux, quand l'Allemagne se réarme. Hein. Moi, je garde des réflexes et des principes assez simples. Je crois quand même qu'il y a une certaine permanence dans l'histoire et je suis pas rassuré de voir l'Allemagne se réarmer et je suis encore moins rassuré de voir l'inertie française. Parce qu'il n'y a pas que l'Allemagne. L'Allemagne met un fonds, alors augmente son budget militaire et en plus ajoute un fonds de 100 milliards d'euros. Le Royaume-Uni a annoncé aussi un fonds de 100 milliards d'euros, et en plus, eux nous ont déjà dépassé pour le budget militaire à hauteur de 10 milliards par an. Ils sont déjà maintenant 10 milliards au-dessus de nous par an. On commence vraiment à être distancés. Et nous, bah, ça tergiverse, ça attend, toujours rien. La loi de programmation militaire, on ne sait pas trop, on nous annonce même des économies, plus personne n'en fait d'économies en matière de défense aujourd'hui. Hein. Nous, il y en aurait encore. En plus, comme on donne des armes à Zelensky, bon, enfin les Allemands aussi, hein, on est un peu à l'os. Nous, le fonds de 100 milliards d'euros, il n'existe pas. Et en plus, sur tous les grands projets là, européens, le SCAF, l'avion, le char, MGCS, avec les Allemands, etc., on se fait bananer, balader, arnaquer par les Allemands. On le sait, maintenant c'est su, même la presse le dit. Il y a un côté un peu Pierre Perret, quoi, cocu mais content. Mais c'est ça. Alors nous, à chaque fois que ça se produit, on regarde et on se dit « peut-être que ça va s'arranger, on va encore attendre un petit peu, peut-être qu'ils vont redevenir gentils, hein ?» Peut-être, oui. Bon, en fait, non. Ils seront jamais gentils, ils seront simplement, je leur en veux même pas, je vais te dire. Ils jouent leur carte d'intérêt national, ils nous piquent une technologie, bah, ils se privent pas de le faire, puisque de toute façon, on la défend pas. Alors, s'il y en a un, quand même, qui essaie de la défendre, c'est le premier concerné, c'est Dassault. Éric Trappier, le PDG de Dassault, essaie de défendre sa boîte. Mais il est, en fait, aujourd'hui, tu as le gouvernement français qui joue contre la France, et c'est un industriel privé qui joue finalement plus pour la France que le gouvernement français. C'est quand même un comble. Alors jusqu'à quand on pourra compter sur la forteresse d'assaut? Malheureusement, l'État a aussi beaucoup de
capacité de pression sur Dassault, ne serait-ce que la commande publique, donc je ne suis pas hyper optimiste. J'aimerais être défendu par un gouvernement digne de ce nom. Mais non, on a un gouvernement de traîtres. On a des gens qui sont en train de nous vendre à l'Allemagne, ou aux États-Unis, ça dépend des jours. Hein. Mais en l'occurrence, sur l'industrie de défense, ils nous vendent à l'Allemagne. Ben voilà, ça donne ça. Donc, mais toutes les politiques actuellement de l'Union européenne sont faites au bénéfice de l'Allemagne. Toutes. Absolument toutes. Ursula von der Leyen, d'ailleurs, qui est allemande elle-même, hein, il est maintenant documenté, écrit. Enfin, tu lis ça dans le Figaro, les Échos, hein, tu vois, c'est pas Patriot Magazine. Hein, il est documenté que Ursula von der Leyen ne décide rien et ne fait rien si elle n'a pas l'accord de Berlin. Dans cet essai, tu évoques, je cite, hein, c'est le titre d'un chapitre, le coup de tonnerre des élections législatives. Mmh. On est maintenant quoi, 4 mois après le 19 juin. Alors tu parles hein, déjà de du partage entre les espoirs, puisque il serait possible de renverser le gouvernement, et puis la crainte d'une opposition soumise. Mmh. De quel côté penche ton cœur aujourd'hui ? Opposition soumise. Je crois dans le livre, j'étais déjà assez réaliste là-dessus. Je maintiens que c'est un coup de tonnerre parce que les Français, avec un mode de scrutin majoritaire, ont réussi à reconstituer une assemblée qui aurait été élue à la proportionnelle intégrale. C'est un tour de force. C'est une sorte de, même d'accident institutionnel. Oui, mais ou alors tu peux te dire une espèce de génie électoral qui a fait que, voilà, à partir d'un mode de scrutin qui normalement ne permet pas vraiment cela. On a une assemblée dont on a le sentiment, à quelques exceptions près, hein, quelques forces moins importantes électoralement auraient mérité d'y être. Je pense à nous ou à d'autres. Mais donc c'est pas une vraie proportionnelle. Mais ceci dit, quand tu regardes la carte de l'assemblée, t'as l'impression que elle a été élue à la proportionnelle. Ça s'était jamais produit dans la Ve République. Donc il y a une espèce de de tour de force. Et ça aurait pu être une révolution. Alors ça peut toujours l'être. Hein. Ils gardent la majorité absolue. Hein. Les oppositions restent majoritaires aujourd'hui. Mais elles n'en font rien pour l'instant. Pas grand-chose. Alors, on a réussi problème à bloquer deux, trois choses. Mais problème de diagnostic, problème de courage. Problème de courage. Alors, problème de courage. Il y a, si tu veux, sur les motions de censure, la première déposée le 11 juillet... Alors nous, on manifestait devant l'Assemblée pour leur dire « votez là hein. ». Bon. Déposé par la NUP, enfin LFI pour la NUP à l'époque, RN la vote pas, LR la vote pas. Donc bon. Ensuite, en septembre, il y a eu un mieux. Le RN s'est mis à voter les motions de censure de la NUP. Et alors ça, est-ce que tu penses pas justement que c'est une illustration concrète de la résistance menée en dehors de l'hémicycle? Notamment, vous aviez fait effectivement les Patriotes plusieurs manifestations. Est-ce que c'est pas un fait d'arme que d'avoir... mis suffisamment de pression sur le RN pour qu'il vote la motion de censure, la NUPES? Je suis persuadé qu'à ce moment-là, parce qu'ils l'ont dit, t'as des députés RN qui ont dit, on est assaillis de mails, de gens qui viennent nous voir, qui nous disent, mais pourquoi vous votez pas les motions de censure, etc. Donc je suis persuadé qu'à l'époque, c'est sous pression populaire, nos manifs et d'autres choses, hein, de la résistance, qui ont, c'est sous pression qu'ils ont changé d'avis. Comme, et ça, pour le coup, ça a été définitivement acquis, le 11 juillet, ils ont voté finalement contre la loi Covid qui devait remettre un pass sanitaire en France aux frontières à partir du 1er août. Et ils devaient voter pour ce texte et ils ont renoncé parce qu'il y a eu des pressions trop fortes. Voilà. Donc ça, c'est un acquis. Sur les motions de censure, malheureusement, l'incident de Fournas a recréé une espèce de haine totale entre RN et LFI. Résultat, ils ont annoncé ce soir qu'ils ne voteraient plus les motions de censure de LFI, et je le regrette, c'est une reculade. Alors, bien sûr, même avec cela, ça ne passait pas, parce que LR, eux, ne votent rien. Moi, je pense que la seule motion de censure qui peut passer, ce serait une motion de censure déposée par LR, parce que là, je vois pas très bien ce que pourrait faire d'autre que NUP et RN que de la voter, et donc celle-ci pourrait passer. Est-ce que LR va le faire? Pour l'instant, ils n'en ont pas pris de chemin. Il y a de vagues promesses, j'ai entendu. Peut-être. Enfin, je pense qu'il serait temps de le faire. Après, Macron a utilisé l'arme menace, chantage de la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est ça aussi qu'ils craignent. Moi, je pense que politiquement, électoralement, ils n'ont pas grand-chose à craindre parce que je pense que Macron, aujourd'hui, s'il faisait une dissolution, serait peut-être plus minoritaire encore qu'il ne l'était en juin dernier. Surtout s'il fait une dissolution, par exemple, sur la réforme des retraites, qui est très repoussée par les Français. Il y a 3/4 des Français qui sont contre, hein, dans les derniers sondages. Donc s'il fait une dissolution sur ça, ça va cristalliser la campagne sur la réforme des retraites. Alors là, il va être balayé.
Donc je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à craindre. Par contre, je pense qu'ils craignent des choses toutes bêtes, mais je pense, enfin, c'est pas si bête que ça, c'est important. Ils craignent les problèmes financiers d'une dissolution. Mmh. C'est-à-dire que s'il y a une dissolution, il faut refinancer une campagne, ça coûte des millions. Ils n'auront pas encore touché le remboursement de la précédente et ils n'auront pas encore touché l'aide publique liée au résultat de la précédente. NUP, OPS, etc. Et puis même une partie du RN qui s'est quand même beaucoup affadie récemment, il y a une partie de tous ces gens-là qui sont d'accord en fait avec Macron. De l'élection de Jordan Bardella, ça va plutôt dans un bon sens. Il est plus souverainiste que sa prédécesseur, moins. Écoute, moi j'ai cru des choses sur sa prédécesseur qui se sont révélées fausses. Moi je pensais sincèrement qu'elle était attachée par exemple à la sortie de l'euro, on l'a tellement dit et répété, on l'a tellement argumenté pendant des années, ou même un référendum à l'époque, c'est ça qui était prévu dans le programme, un référendum au bout de 6 mois sur le Frexit. Je pensais sincèrement qu'elle était très, parce qu'elle me le disait en privé aussi, attachée à ça, et je me suis rendu compte que finalement elle était capable de changer d'avis sur ça. Pour moi, est une affaire centrale. Quand on écoute quelques députés, donc je ne crois plus rien de leurs convictions, c'est tout. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de convictions. Il y a de l'habileté. Il n'y a pas beaucoup de convictions. Je pensais pas pour rien d'ailleurs qu'il y a maintenant 56% d'abstention aux élections législatives. C'est que je pense que, en fait, on parlait tout à l'heure du vote, mais enfin, on raisonne sur 44% des gens. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens maintenant en colère, pas contents, qui tout simplement ne votent plus. Et il va falloir leur parler à eux quand même. Et je pense qu'on leur parlera en remettant un peu de conviction et de sincérité dans le débat public. Pas tant, tout le temps du calcul sur les sondages. Je pense que ça dégoûte les gens. Alors justement, quelle solution ? Est-ce qu'elle est institutionnelle ? Est-ce que tu penses qu'il y a encore une solution institutionnelle au mot de la France ? Ou pour reprendre un peu le concept de Michel Maffezoli, ça passera par un temps des soulèvements ? C'est très compliqué à dire. Je ne veux lâcher aucun terrain, parce que je pense que comme on ne sait pas, ce serait sot de le faire. Regarde, tu as deux choses différentes. Aux États-Unis, l'élection de Trump, c'est une élection et elle a changé quand même pas mal de choses. Tu vois, ou en Floride, DeSantis. Bon. Or, c'est un processus électoral institutionnel. Au Canada, je pense qu'il se passe des choses très intéressantes et très positives dans beaucoup de provinces actuellement au Canada, par exemple en Alberta, même au Québec, ça bouge. Je pense que, pour le coup, les élections ont eu moins d'importance que le convoi des libertés, qui a eu un impact énorme sur les mentalités. Et là, c'est ce qu'on pourrait appeler un soulèvement. Ça n'a pas été sanglant, mais enfin, c'est quand même, c'était en grande partie illégal, c'était populaire, c'était... Voilà. Donc, je t'avoue que je suis pas devin. J'en sais rien. Je pense je suis persuadé qu'il y a un chemin, qu'on arrivera, qu'on s'en sortira. Ça, j'en suis intimement persuadé, sinon je ferais pas tout ça. Je ne sais pas, par contre, quel est le tracé du chemin. Je sais pas quelle forme ça va prendre. Je pense qu'il faut lâcher aucun terrain. Aucun terrain. Et c'est pour ça qu'il faut pas croire que aux urnes. Par contre, les partis politiques qui vous vendent le tout électoral, qui se taisent en dehors, ou qui vous disent, ça, j'aime pas beaucoup ce que dit le RN en ce moment, et parfois, leurs propres députés m'écrivent ça et ça m'agace à chaque fois, ma place est dans l'hémicycle et je n'irai pas dans la rue. Ben, je pense que c'est une bêtise. Oui, ta place est aussi dans l'hémicycle, bien sûr. Et surtout, il faut aller bosser, il faut y être, il faut nous défendre. Mais elle est aussi dans la rue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de séparer les choses ? Et peut-être que c'est de la rue que viendront les choses, les fruits les meilleurs. Donc, voilà. En tout cas, le travail de rue, il a un effet sur les consciences. Ça, c'est évident. Il n'a peut-être pas un effet. Parfois, il y a des gens qui disent « Manif, ça ne sert à rien, on n'a pas pris l'Elysée. » Oui, ce n'était pas le but de la manif, premièrement, on ne l'a pas organisé comme ça. Deuxièmement, bien malin, serait capable de le faire. Et troisièmement, c'est ne pas voir tout le travail en coulisses énorme que produit un rassemblement populaire, une manif, un travail de rue, c'est-à-dire que ça change les consciences. Ça fait prendre conscience à plein de gens de choses, qui ne sont pas seuls. Ça vaut le coup de se battre parce qu'on va rencontrer des compagnons d'armes et ça crée des réseaux, des gens qui regardent ça un peu loin, qui commencent à s'y intéresser. Ils se seraient pas intéressés si simplement ça avait été une émission à la télé. Non, ils voient des gens, des vrais gens dans la rue, quoi. Et donc ça les intéresse plus, ça leur paraît plus concret. Et en s'intéressant, ils basculent du côté de la résistance. Moi, je vois 1000 effets positifs à une manifestation. À condition qu'il y ait un peu de monde, il faut attention, il faut faire les choses, il faut sensibiliser, il faut mobiliser, et il faut l'ouvrir à
toutes les opinions, enfin pas toutes les opinions au sens, il faut pas faire venir les gens du système, ça n'a pas d'intérêt, de toute façon ils viendraient pas, mais il faut l'ouvrir à toutes les sensibilités de la résistance, parce qu'on pense pas tous la même chose, loin de là, on n'a pas tous les mêmes traditions, les mêmes parcours, et puis on a tous des engagements professionnels différents, on vient d'univers différents, il y a le monde des soignants, il y a le monde des avocats, il y a le monde de la politique, il y a le monde associatifs, et ben culturels, ben, tout ça il faut les mettre, voilà, il faut qu'ils se parlent, c'est ça aussi l'intérêt d'une manif. Je me rappelle, dernière question sur ce sujet, je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'avais dit, moi je ne mène pas de combats qui n'ont aucune chance d'être gagnés, je suis sûr des combats, on parlait à l'époque c'était du Covid, qui ont 0,6% de chance, dès qu'il y a une petite chance on y va. Est-ce qu'aujourd'hui avec le recul tu te dis que tout ce travail a permis d'augmenter la probabilité de 0,6%? A priori oui quand même. Oui, alors je maintiens totalement cela. Je pense que, comme on dit, hein, mais les seules batailles qu'on est sûr de perdre sont celles qu'on ne mène pas. Voilà, il y a des batailles qui paraissent très difficiles, mais qui sont gagnables. Eh ben alors, il faut y aller. C'est tout. Il n'y a pas de question à se poser. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que de se battre de toute façon si on pense qu'il y a une petite chance d'y arriver? Est-ce qu'on a plus de chances d'y arriver qu'il y a 2 ans et demi? Probablement, puisque on voit bien d'ailleurs que ils n'ont pas réussi totalement à faire ce qu'ils voulaient. Moi, je suis absolument persuadé qu'ils voulaient vraiment remettre un pass sanitaire. Il y a un vrai bilan de l'action contre le covidisme. Bien sûr, et je m'en attribue pas du tout 100%. Loin de là, il y a plein de cercles qui ont agi, plein de. Mais c'est vrai que les manifestations du samedi ont été déterminantes. Sûrement, j'espère. Mais en tout cas, il y a d'autres voix aussi qui ont fait des choses merveilleuses. Mais en tout cas, ils n'ont pas réussi à faire tout ce qu'ils voulaient. C'est absolument évident. Alors moi, il me reste un truc là qui me peine beaucoup, et un vrai combat, c'est la réintégration des suspendus. Alors ça, je suis très en colère. Surtout que, alors tu citais le drame de cette soignante qui s'est suicidée, ça donne envie de vomir. Enfin, c'est d'abord une tristesse absolue, on pense à sa famille. Mais enfin, quand on voit ceux qui à la télé, les Braun, les médecins de plateau qui continuent à dire que avec ces gens-là, oui, c'est une vraie méchanceté, c'est une vraie perversité, c'est une laideur d'âme. C'est très laid, parce qu'il n'y a aucun argument rationnel. En plus, ils peuvent même plus dire, mais ça se fait dans tous les pays, c'est plus vrai. On est le seul pays au monde, il reste la Grèce pour quelques semaines, et ce sera terminé. On sera donc le seul pays au monde. L'Allemagne l'a annoncé hier. Hein. Alors, ils n'ont même pas réintégré, parce qu'ils n'ont jamais suspendu personne. Par contre, il y avait quand même l'obligation vaccinale. Ça, ils le suppriment. Et c'est vraiment une méchanceté, une petitesse d'esprit, une laideur d'âme qui s'exprime. Eh ben, je suis désolé, tout ça, ça peut créer des drames. Alors les drames, il y en a plein qu'on voit pas, c'est la misère. Vous savez, tu sais, dans nos manifs, il y a aussi des stands d'alimentation et d'hygiène, on en est là hein, depuis des mois, pour les suspendus. On leur donne, parce qu'on a des adhérents magnifiques qui viennent apporter de la nourriture, qui viennent donner. Et ben nous, on redonne aux suspendus qui en ont besoin. Mais parfois, il y a des drames beaucoup plus dramatiques, enfin, des drames beaucoup plus catastrophiques plutôt, encore, comme des suicides. Et ben voilà, ils en sont là. Ben ça, c'est leur bilan. Moi, je suis désolé, hein, il y a des responsables. Hein. On peut pas dire ça vient de nulle part. Il y a des responsables et des coupables, ce sont ces gens-là. Et c'est tout l'honneur de la résistance que de mener ces combats qui méritent notre courage. On va se quitter pour quelques minutes. On se retrouve dans 5 minutes. À nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Twitch et vous pourrez poser au retour de la pause toutes vos questions à Florian Philippot pour comprendre qui il est, ce qu'il pense. On vous retrouve tout de suite. De retour dans Telle est la question avec Florian Philippot. On a pris une petite pause. J'espère que vous aussi, et c'est l'occasion de vous remercier pour les premiers abonnements. On en a eu vraiment plein ce soir. Je pense notamment à Ganima, Gallop, Otiti. Bon, j'imagine que certains sont des pseudos. Kobaya pour leur abonnement. Vraiment, merci beaucoup. On en a besoin et c'est une façon de financer la résistance. Florian Philippot, je vous le rappelle, qui publie cet excellent ouvrage Crise au pluriel pour tout comprendre sur la dystopie, hein, malheureusement, dans laquelle nous évoluons, mais aussi pour entretenir l'espérance, parce qu'il y a des solutions très concrètes sur les façons de sortir de l'ornière. Alors Florian, il y a le politique, il y a l'écrivain, et il y a l'homme, et je voulais aussi qu'on en parle un petit peu, pour tenter de comprendre un peu quel était l'origine hein, de ton parcours, la genèse de ton engagement.
Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas dit, comme beaucoup de petits Français, je vais devenir footballeur ou policier, mais je vais faire de la politique? Bon, alors footballeur, ça aurait été compliqué. Je pense que j'aurais été bien nul. Donc je pense que... Alors ça, je l'avais tout de suite rayé de ma liste. Tu sais, je pense que, en fait, j'espère, normalement, ça se calcule pas. Enfin, moi, dès mon enfance, ma jeunesse, je me suis vraiment intéressé à mon pays, à choses publiques. Alors, j'avais des parents instituteurs, donc sûrement que ça aide, un peu vieille école, si tu veux. Donc évidemment, on m'emmenait au dépouillement des élections, on m'expliquait. Alors, un jour, ton papa m'a dit que tu avais pensé être jardinier. Alors, je voulais être jardinier, effectivement, jusqu'à mes 10 ans, hein, quand même. Oui, je voulais vraiment être jardinier. J'aimais beaucoup les arbres, j'aime toujours les arbres, voilà. Bon, mais ensuite, j'ai réfléchi, j'ai évolué dans ma réflexion, et je me suis jamais dit je vais être homme politique, hein, c'était pas ça non plus. Mais je voulais en tout cas servir mon pays, voilà, tout simplement. On va résumer ça comme ça, parce que j'ai tout de suite été élevé dans l'amour de la France, et je me suis ensuite j'ai pris mon autonomie, on va dire, intellectuelle, et je me suis documenté, je suis allé vers les personnalités qui m'intéressaient, et j'ai vu que j'adorais ça. Enfin, j'aime beaucoup la controverse, le débat, les idées, le monde des idées, même les idéologies. C'est pas un gros mot, idéologie, on en a besoin. Il faut simplement pas tomber dans le fanatisme, mais on a besoin d'avoir une structuration idéologique. Sinon, toi, on tombe dans la politique qui n'est que du consumérisme, qui n'est rien. Ta famille était marquée d'un côté ou de l'autre, ou... Écoute, on a jamais trop parlé de droite ou de gauche à la maison. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je me suis jamais inscrit dans ce clivage. On m'a toujours plutôt élevé, même beaucoup élevé, dans... S'il y a une figure qu'on m'a appris à respecter, c'est celle du général de Gaulle. Peut-être parce que je venais du nord de la France et qu'il est né à Lille, et que très jeune, on m'a emmené devant sa maison natale à Lille, et qu'on m'expliquait, qu'on me l'a montré, et qu'on me montrait aussi où est-ce qu'il se faisait toute sa vie chez Mers, donc c'est un gaufrier à Lille, et même quand il était encore à l'Élysée, il se faisait livrer des gaufres de cette pâtisserie lilloise. Bon, toutes ces petites anecdotes qu'on te raconte quand t'as 5 ans, 6 ans, ça marque. Donc voilà, il y avait cela. Ensuite, c'était pas une question de droite ou de gauche, c'était pas cela. Donc, et mes parents n'ont jamais été encartés nulle part, et on m'a jamais emmené à un meeting politique. Je pense que mes parents étaient respectueux justement du fait que je me fasse une opinion moi-même. On m'a plutôt donné les outils pour que je me fasse une opinion moi-même, des outils intellectuels, des outils d'intérêt pour l'actualité, pour les choses qui nous environnent. Et ensuite, une fois qu'on a ces outils-là, on en fait ce qu'on veut. On peut devenir tout. Et moi, je suis devenu patriote. Et alors, ta prise de conscience, ton éveil politique et philosophique se poursuit au fil des années. Il y a les années étudiantes. Et d'ailleurs, alors, on ne peut pas le diffuser ce soir parce que ça nous ferait striker la chaîne Twitch. Mais sur le site de l'INA, je suis tombé sur une interview de Florent Philippot à l'époque où tu étais, je crois, à HEC. Oui. C'était au moment du référendum. De 2005, c'est sans doute l'une des premières. C'est ma première télé. Apparitions. C'est sur France 2. Oui, t'as pas tellement changé depuis. Ouais. C'était la même pugnacité, le même. Bon, c'était court, hein, c'était quelques minutes. En fait, il m'avait repéré. C'était en direct d'ailleurs. C'était à Saint-Malo. Donc il m'avait pris un train de Paris à Saint-Malo. En fait, il cherchait des blogs. À l'époque, c'était les blogs. Hein. Et c'était, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Et moi, j'avais créé un blog du nom, qui s'appelait « Cette fois, c'est non ». Et mon blog marchait bien, il y avait beaucoup de visites. Et il l'avait repéré, France 2 l'avait repéré, et il m'avait mis face à un blogueur du « Oui ». Mais donc, qui était lui aussi dans ton école, il était aussi... Non, je ne connaissais pas, il n'était pas HEC, rien. Et en fait, il nous a dit « Vous avez fait un petit débat ». C'était au 13h de France 2, en fait. Il y a une émission qui commençait à 13h15 le samedi, à l'époque.
Et donc, il venait vers toi, donc on attendait sur un banc, et puis à un moment, le présentateur vient, et puis je crois que ça durait 3-4 minutes, on te tend le micro et on fait débattre un petit peu sur la Constitution européenne. C'était le 1er mai, donc on était à vraiment 4 semaines, c'était le 29 mai, hein, donc on était à 4 semaines du vote. Donc on était en pleine campagne, quoi. Et donc moi, j'avais défendu le non à la Constitution européenne. D'ailleurs, alors ça, c'est pas sur l'INA, c'est un petit scoop, mais ils m'ont réinvité l'année d'après, mais ça, je sais pas où on peut le retrouver. Mais j'ai aussi fait en mai 2006... la même émission. Voilà. Avis aux documentalistes, ouais. J'imagine qu'il y en a parmi nous. J'ai fait ça. Et pour préparer un peu la présidentielle de 2007, d'accord. Et je défendais aucun candidat, mais j'expliquais qu'il fallait qu'on ait. J'aurais aimé qu'on ait deux candidats anti-système au second tour. C'est ce que d'accord. J'ai expliqué dans ce débat. Je ne sais pas du tout ce qui s'est produit. On a vu Sarkozy royal, donc l'inverse. Et alors, HEC, l'ENA, une carrière de haut fonctionnaire, finalement, tout aurait pu rester assez. Enfin, très confortable et classique. Et puis, tu décides de t'engager publiquement, enfin, dans un premier temps, dans la coulisse, puis publiquement pour le Front National, à une époque où il reste quand même très stigmatisé dans le débat public. Ce saut dans le vide, t'as pas fait peur? On t'a pas retenu par la manche en te disant tu vas avoir des problèmes? Oh, si, forcément. Alors, j'avais déjà fait la campagne comme militant de Jean-Pierre Chevènement en 2002. Qui est une très belle campagne souverainiste de dépassement des clivages. Et effectivement, ensuite, moi, la figure que j'avais vue, qui m'intéressait, c'était à partir des années 2004, 2005, 2006, c'était Marine Le Pen, qui n'était pas encore présidente du Front National à l'époque, qui était vice-présidente, et qui vraiment incarnait à l'époque ce qu'elle disait elle-même, une fibre sociale, un combat contre le mondialisme, un discours infiniment plus souverainiste que ce qu'il y avait auparavant, enfin, en tout cas, plus structuré. Et donc, ça me correspondait bien. Et d'ailleurs, la première fois que je l'ai rencontrée, donc en 2009, elle me dit, vous avez déjà fait, on sait, vous voyez le premier jour, vous avez déjà fait déjà engagé politiquement, et je lui ai dit une seule fois, j'ai fait la campagne de Jean-Pierre Chevènement, et elle m'avait répondu du tac au tac, ah ben, on n'est pas loin alors. Et ça avait trouvé ça très rassurant. Je me dis, si elle trouve que c'est pas loin, c'est qu'elle se considère pas d'extrême droite. Ouais. Donc voilà, donc ça s'est fait très vite, et au moment, à ce moment-là, je rappelle, le Front était entre 4 et 5% dans les sondages, donc pas me dire c'est par opportunisme, ou pas du tout, c'était un parti, et tu as raison, l'image était moins facile que maintenant, même si c'était déjà plus l'époque de Jean-Marie Le Pen, c'était quand même déjà un peu différent, mais électoralement, le parti était très bas. Voilà. Mais cet enthousiasmant, et surtout à l'époque, bah moi, ce que j'y retrouvais, c'était une sincérité. Moi, je trouvais qu'il y avait une vraie authenticité, il y avait c'était très souverainiste. Le discours n'était pas du tout le même, hein. Faut reprendre les vidéos de Marine Le Pen à l'époque. Elle disait absolument pas la même chose que ce qu'elle dit aujourd'hui. C'était assez tonitruant, et c'était, ça me correspondait. D'ailleurs, quand ça m'a plus correspondu, bah, je suis parti, c'est tout, en 2017. Et elle le savait. Je lui avais dit dès le début, tu sais, moi, je suis là. Pour telle ou telle raison, si tu ne défends plus, par exemple, la rupture avec l'Union européenne, je partirai. Elle le savait. Donc, il n'y a pas eu de surprise, hein, et je suis parti. Et alors, des années donc, sur les plateaux de télévision, à débattre, à croiser le fer, dans un milieu hostile, hein, que ce soit les adversaires politiques ou les représentants des médias, est-ce qu'il ne faut pas être un peu maso pour s'engager dans ce camp-là? Parce que c'est quand même difficile. C'est une adversité permanente, une mise en accusation permanente par des gens en plus un peu médiocres. C'est pas dur psychologiquement de subir ça tous les jours? C'est parfois, on a le sentiment d'une injustice quand on est insulté par, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, par des adversaires politiques, d'être vraiment insulté, parce que quand on vous dit fasciste, etc., c'est une insulte pour moi, hein. Évidemment, ou même extrême droite, tout ça, pour moi, c'est des insultes, c'est insupportable. T'étais sous protection policière pendant quelques années. Alors ça, c'est encore autre chose, j'ai été sous protection policière permanente pendant 3 ans et demi, mais ça, c'est plus lié au contexte terroriste. Mais, après 2015, voilà, donc ça c'est l'injustice. Mais ceci dit, j'ai revécu ça pendant le Covid, quand j'avais face à moi des députés En Marche, par exemple, qui me disaient « Vous êtes un assassin, on m'a dit ça. Vous êtes criminel, vous êtes responsable de la mort de gens, etc. » C'est insupportable. Quand je pense plutôt d'ailleurs l'inverse. Mais voilà, c'est des choses assez lourdes, mais par rapport à la chance de pouvoir exprimer publiquement ses idées, ses prises de position, ça ne l'emporte pas. Moi, je suis d'avis qu'il faut se battre sur tous les terrains, quelle que soit l'adversité, la difficulté, il faut y aller, évidemment.
parce que vous toucherez toujours des gens. Moi, je parle pas, j'essaie pas de convaincre mon adversaire En Marche ou le journaliste. Je sais très bien que je vais pas les convaincre. J'essaie de convaincre la personne que je ne vois pas qui est derrière son poste ou derrière son écran d'ordinateur de plus en plus en rediff, en replay. Et y a toujours des gens qu'on va convaincre. Donc, il faut y aller. Alors, quelles sont les leçons, justement, que tu as humainement, les leçons humaines que tu tires de ces plus de 10 ans maintenant d'engagement politique? On dit souvent que la politique, c'est la nature humaine observée au microscope. J'en tire, alors, je vais dire deux grandes choses. La première chose, sur vraiment l'humain, modestement, parce que je n'estime pas être au-dessus de mes congénères humains, donc je ne vais pas les juger, ils peuvent me juger tout autant. Mais je dirais que chez l'humain, il y a vraiment le pire du pire. Moi, j'ai vu des vraies trahisons, je veux dire, d'amitié, enfin, des gens qui se sont comportés très très mal. On peut avoir des désaccords politiques, je ne parle pas du tout de ça, mais je parle d'autre chose. Des gens qui se comportent d'un coup très très mal pour vraiment des petites raisons, enfin des raisons, voilà, pour des raisons qu'on imagine, financières ou électorales, etc. Et ça, c'est une horreur. Ça, pour moi, c'est ce qui m'a le plus affecté, le plus peiné. Et ça, j'ai appris. Mais d'un autre côté, j'ai aussi, moi, il y a des gens en politique à qui je travaille depuis 10 ans. Et donc, tu apprends aussi qu'il y a des gens qui sont vraiment sincères, des gens vraiment formidables, vraiment fidèles, mais c'est pas une fidélité personnelle parce que ça serait autre chose, mais c'est une fidélité vraiment à une ligne, à une conviction, à une rigueur, à une éthique. Et par ailleurs, qui, de toute façon, une fois qu'on considère qu'on est plus qu'en engagement politique, qu'on est vraiment amis, ne trahiront jamais. Et ça, maintenant, je le sais. Moi, il y a des gens dont je suis certain qu'il n'y aura jamais ça. Et ça, c'est formidable aussi. Ça donne beaucoup d'espérance sur l'être humain. Donc, voilà, ça prend, si tu veux, un peu deux extrêmes, mais alors on va dire que le deuxième l'emporte, parce qu'il faut toujours raisonner, il faut quand même, il faut se tourner vers, il faut essayer de voir le bon, parce que sinon on déprime. Et la deuxième chose que j'ai apprise sur l'engagement politique, bah, je l'ai surtout appris ces 2 dernières années. Moi, je vis pas du tout mon engagement politique de la même manière du temps du Front National, où j'étais surtout, on va dire, un porte-parole médiatique de ce que je vis depuis que je suis à la tête de mon propre mouvement, et en particulier depuis le Covid, où le mouvement est plus visible, plus connu, etc., plus grand, beaucoup plus de monde, mais aussi plus actif, de fait. Parce qu'on a peut-être plus les moyens aussi de le faire, mais aussi parce que ça s'y prête, l'actualité s'y prête. Et je veux dire, tout ce que j'ai fait là, on a fait 120 manifs nationales, j'ai compté l'autre jour, plus les manifs régionales, les déplacements, etc. Tout ça, je ne l'avais pas fait, en tout cas pas du tout à cette échelle et à ce point avant. Si tu devais garder un souvenir? Eh ben, c'est toutes ces rencontres dans les manifs. Et ça, là, tu te dis, mais là, tu touches la politique au sens vrai du terme, c'est-à-dire le contact avec les gens. Tout simplement, passer des heures avec les gens, discuter avec des gens, voir les gens, avoir des gens qui te pleurent dans les bras, ce qui est pas ce que je demande pas, hein. Je dis pas, mais c'est juste la réalité du monde, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui sont malheureux dans notre pays et il faut s'en occuper. Et puis t'as aussi des gens qui étaient malheureux qui viennent te dire qu'ils ont trouvé une espérance dans ta manif, et ça, c'est magnifique. Enfin, ça fait très plaisir. Donc, et ça, c'est un enrichissement. Honnêtement, c'est un enrichissement. Et en plus, quand tu croises des gens qui sont de profils si variés, et tu le sais, en manif, les manifs en particulier pour les libertés sont des manifs hyper variés sociologiquement, socialement, en termes d'origine, d'âge, etc. Et bah tu en prends, tu t'enrichis peut-être encore plus vite, tu vois. Donc c'est ça tout simplement, moi, ce que j'ai appris dans cet engagement politique. Et alors, à côté de la politique, qu'est-ce qu'il y a dans la vie de Florent Philippot? Quelles sont tes passions, par exemple? Ah non, mais moi, j'ai une vie sans fin. Si tu veux, moi, c'est un jour sans fin, hein, ma vie. Je me lève. Non, mais moi, je me lève, je prépare ma vidéo, je tourne ma vidéo. Non, mais c'est... Ouais, il faut le savoir, il ne part pas en vacances. Mais si, je pars un peu en vacances. Oui, 2-3 jours, et puis après, il dit, c'est bon, j'en ai eu. Ah non, mais de toute façon, alors ça, ça me va très bien, même avant les vidéos, etc. Je quelques jours de coupure, c'est très bien, mais j'aime pas partir 3 semaines. Tu écoutes de la musique, tu lis des livres. Oui, mais alors ça vous regarde presque pas, en fait. Ouais. Vous, collectivement, mais... Oui, bah j'ai une vie normale aussi, si tu veux, bien sûr. Je fais plein de choses à côté, etc. Enfin, plein de choses. J'essaie de pas être le nez dans mes vidéos ou dans les manifs simplement ou dans mes livres toute la journée. Mais honnêtement, j'ai quand même un peu
un peu parfois une vie de moine résistant. Hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est un jour sans fin, c'est pas une blague. C'est-à-dire que, tu sais, je suis en permanence dans ma vidéo, par exemple. La vidéo du jour, une fois qu'elle est faite, mais même avant qu'elle soit faite, avant qu'elle soit tournée, je pense déjà à celle du lendemain. Et donc, il faut la travailler, il faut la préparer, il faut avoir les éléments. Puis après, j'ai quand même un mouvement politique de 40 000 adhérents à gérer. Donc, c'est quand même la journée au téléphone avec mon équipe au QG, mais aussi avec tel référent de tel département qui a un petit souci, un truc à régler, une question, un candidat législatif qui arrive, et puis plein de personnes qui m'aident pour faire ça. Mais enfin, on a aussi des trucs à gérer avec un imprimeur. Bon, tu vois. Donc ça, c'est la vie d'un mouvement politique. Surtout quand il a pris une certaine ampleur, il faut quand même la gérer. Donc t'auras pas le temps. Mais après, toutes les semaines en ce moment, je suis en déplacement partout en France. La semaine dernière, j'étais dans le Var. Là, après-demain, je vais à Pau. Ça te fait du bien, comme ça, de voir les... Oui, puis en plus, j'étais en Corse il y a 3 semaines. Je serai aussi aux Antilles, Martinique, Guadeloupe. C'est quand même sympathique aussi. Enfin, parce qu'on a beaucoup d'adhérents dans quelques semaines. Et puis ensuite, je serai en Meurthe-et-Moselle, c'est ça. Et puis ensuite, en Côte d'Or. Enfin, sans arrêt, toutes les semaines. Alors d'abord, parfois je découvre des lieux que je connais absolument pas, donc c'est déjà très bien. Et ensuite, ça aussi, c'est superbe. Donc ça fait partie, je rencontre des gens, plein de gens. Donc ça fait partie aussi de ma vie maintenant. Voilà. Après, il y a tout le reste plus privé. Bah, vous n'en saurez pas grand chose, hein. Bon, on saura même pas si tu vas regarder la Coupe du Monde de football. Bah ce soir, non, on la regarde pas, hein, puisqu'on est ici. Ouais, mais on sait qu'on gagne. Parce qu'il me semble qu'en ce moment, il y a France-Australie. Et il paraît que c'était 2-1 à la pause, je sais pas si c'est toujours le cas, mais. Et il faut les battre, ces Australiens, parce qu'ils ont été tellement terribles durant la crise du Covid. Ah oui, pas faux, en plus, ils le méritent. Ce serait quand même une belle leçon. Mais, il faut gagner parce que c'est la France, tout simplement. Mais c'est vrai, allez, on a le droit, les premiers matchs, là, c'est peut-être pas les. On suivra plus assidûment à partir du moment où on sera en quart de finale, on va dire. Et alors sur le plan politique, qu'est-ce qui serait pour toi une mission accomplie? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de l'action que t'as menée? Ah, c'est autre chose. C'est deux questions différentes. Ouais. Alors la mission accomplie. Quand est-ce que tu te dis voilà c'est bon, je peux tout arrêter, j'ai fait mon devoir. On peut jamais tout arrêter parce que si tu veux. Je pense que quand tu veux te battre pour ton pays, il y a toujours quelque chose à améliorer. Mais globalement, je vais être très concret. Je serai très heureux quand on sera sorti de l'Union européenne. Mmh. Je pense que c'est aujourd'hui le problème majeur, d'où découlent beaucoup de choses. Donc, ça ne résume pas du tout le combat politique parce qu'il dépasse cela largement et c'est une vision de la France et c'est pour moi la France si tu veux c'est un très vieux pays, c'est un pays qui a une histoire incroyable et donc j'ai une autre ambition pour mon pays que simplement sortir de l'Union européenne. Mais si je veux être très pragmatique et très concret, je pense que c'est un jalon très important, essentiel dans ce qu'on doit faire et obtenir, sortir de cette horreur. Voilà. Ensuite, on imaginera beaucoup de choses. Mais tant qu'on est dans la prison, on a du mal à imaginer un avenir, honnêtement. Et donc, il faut d'abord en sortir. Et c'est la principale prison. En sortir pour s'en sortir. Oui, c'est ça. C'était un sous-titre de mon premier livre. Voilà. Mais tu sais, alors ça me rappelle un peu... Je me compare pas du tout à lui, hein, parce que lui, pour le coup, a réussi. Et puis, on n'est pas les mêmes. Mais Farage, tu vois, il a... Honnêtement, le fait que le Royaume-Uni a réussi à sortir l'Union européenne, on lui doit beaucoup. C'est lui qui a porté ce combat-là très très tôt. Tu as l'impression que le Brexit là est un peu menacé ou... Alors, mais ceci dit, ce que je voulais juste dire sur Farage, c'est que depuis qu'ils ont fait le Brexit, il n'a jamais quand même abandonné le combat. Mmh. Et notamment, et là je réponds à ta question, parce qu'il a pressenti que de toute façon les forces mondialistes n'allaient pas lâcher le morceau comme ça aussi facilement. Et qu'il y aurait toujours des pressions. Et oui, on sent en ce moment une espèce de forte propagande pour mettre tous les problèmes qui se posent au Royaume-Uni, mais qu'on retrouve en France aussi, hein, ou en Allemagne, etc., sur le dos du Brexit, ce qui est très malhonnête. Alors, je vois les médias français qui disent il y a 10% d'inflation au Royaume-Uni à cause du Brexit. Et puis, Il y en a combien dans la zone euro? Dans la zone euro, il y a même un peu plus aujourd'hui d'inflation qu'au Royaume-Uni. Donc, si c'est à cause du Brexit, alors c'est à cause de quoi dans la zone euro? Tout ça d'une mauvaise foi absolue. Là, ils disent bah, le prix de l'énergie augmente beaucoup au Royaume-Uni à cause du Brexit. Non, c'est que le Royaume-Uni a fait des choix énergétiques très mauvais.
C'est pas lié au Brexit ou pas Brexit pour le coup, mais ça augmente de la même manière énormément, par exemple en Belgique, etc., parce qu'ils ont fait les mêmes choix délétères. Et la France, je suis désolé, certes, elle a fait un moment de très bons choix avec le programme nucléaire et ses barrages hydroélectriques, etc., mais ensuite, elle les a gâchés en se mettant dans le marché européen d'électricité. On a gâché notre avantage comparatif. Donc, il faut pas me dire que c'est à cause de l'Union européenne, que c'est à cause de la sortie de l'Union européenne qu'ils sont dans cette situation. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Au contraire, le fait qu'ils soient sortis de l'Union européenne leur donne des marges de manœuvre que nous n'avons pas, nous. Après, qu'ils en fassent de mauvaises choses, j'y peux rien. C'est pas parce qu'on est libre qu'on fait que, qu'on voilà, prend que des bonnes décisions. Et c'est pas parce que demain la France sera sortie de l'Union européenne que ce sera le paradis sur Terre. Mais ça reste un préalable. Mais oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le choix que de prendre de mauvaises décisions. Demain, libre, on aura le choix de prendre des bonnes ou des mauvaises décisions. Il n'est pas impossible qu'on prenne encore de mauvaises décisions. Mais au moins, on aura le choix. Bon, il y aura plein d'autres choses à faire, mais que la France se reconnecte avec ce qu'elle est, avec sa vocation presque surnaturelle, comme diraient certains. Spirituelle ? Oui, bien sûr. C'est un être spirituel, la France. On ne parle pas de l'âme de la France par hasard. C'est un être spirituel. Et quand elle l'oublie, à chaque fois dans son histoire qu'elle l'oublie, elle s'abîme. Peut-être qu'elle doit tomber très bas, plus bas que toutes les autres nations avant de ressurgir, avant de renaître. Ça ressemble à une conversion, de la Sainte Vierge, ça. Oui, alors en l'occurrence c'est Marthe Robin qui a dit ça, mais Marthe Robin, c'est vrai. Exactement, c'est mais probablement dicté par la Sainte Vierge. Mais tout cas, à cause de ses mauvais chefs, à cause des chefs qu'elle se sera choisis, c'est exactement. Alors elle est dans la poussière, ouais. Etc. Mais je ne sais pas si ça c'est vrai ou mais en tout cas, oui, c'est un être spirituel. Oui. La France a 1500 ans, 2000 ans. Oui, la France a une place particulière dans le monde. Oui, elle est attendue. Oui, quand elle est elle-même, elle est capable du meilleur. C'est un pays monde par ailleurs. Et honnêtement, nos compatriotes d'outre-mer dans cette crise nous ont montré des talents de résistance que nous n'avons pas eu, nous. On a des leçons à prendre chez eux. Et on les salue d'ailleurs parce qu'on sait qu'ils sont nombreux suivre au cercle Aristote. Merci beaucoup, Florian. Maintenant, le temps est venu de répondre à vos questions. Elles sont extrêmement nombreuses ce soir pour Florian Philippot. Peut-être commencer par une question d'ordre institutionnel. Tiens, Florian Philippot, cinquième utilisation du 49.3. C'est Smoothie qui nous pose la question. On fait quelque chose de drastique ou on organise une énième manifestation? Ah, je sens un peu de... la question est un peu caustique, mais une énième est un peu dépréciatif. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, fait quelque chose de drastique? Et c'est simple. Ils veulent faire quelque chose de drastique? Ben, c'est très simple. Ils votent la motion de censure. Moi, je suis pas député, excusez-moi. On a des parlementaires qui ont été... Les députés d'opposition, ils ont été élus pourquoi? Pourquoi les électeurs français, le 19 juin, ont élu les députés d'opposition? Pour cirer les pompes à Macron? Ben, je crois pas. Ils auraient élu des macronistes. Ils ont élu les députés d'opposition. Bah, il faut s'opposer. Il n'y a pas de raison de s'opposer, là, au gouvernement. Il y en a 10 000 de raisons de s'opposer. Donc, la chose drastique qu'on peut faire, il n'y en a pas 36 sur la motion de censure. C'est de la voter. Et on renversera ce gouvernement. Et il nous pondra un deuxième gouvernement. Bah, il faut revoter nos motions de censure. Les manifs permettent aussi de mettre la pression sur les oppositions Bien sûr. Alors, la manif, d'abord, moi, je n'ai pas. Il y a des gens qui me disent pourquoi vous ne déclenchez pas une grève générale? Je n'ai pas le pouvoir de déclencher une grève générale. Je le ferai avec grand plaisir. Excusez-moi. Croire que j'ai la capacité de déclencher une grève générale, c'est être complètement à côté de la plaque. Je n'ai pas, surtout quand on est dans un pays où les syndicats sont quand même très complices de la situation, c'est encore plus compliqué. Je n'ai malheureusement pas la capacité de déclencher une grève générale, ni une manifestation où on serait 5 millions. J'aimerais, mais c'est pas le cas. Parfois, on est très nombreux dans les manifs. Bah, tant mieux, mais enfin, on n'est pas 5 millions. En tout cas, les manifestations, contrairement à ce que laisse sous-entendre la question, je pense, ont leur vraie utilité. S'il n'y en a pas, il n'y a rien. Je préfère qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Question de Joue la scène. Comment réformer notre outil médiatique? Alors, il y a beaucoup la question des propriétaires. On parle beaucoup des 9 milliardaires, etc. C'est un vrai sujet. Mais je crois que on peut prendre, alors là-dessus, il y a des possibilités. Bon. Même si je constate, excusez-moi, que le service public géré par, pas par un milliardaire, mais par l'État, qui est plutôt milliardaire en dette, mais n'offre pas beaucoup plus de pluralisme, si ce n'est moins.
encore que certaines chaînes privées qui sont pourtant propriétaires de milliardaires. Moi, j'ai un doute là-dessus sur la totale responsabilité de ce seul facteur, même si je pense que des lois pourraient intervenir pour que le capital soit un peu plus séparé. Bon, on peut imaginer les choses. Mais je pense qu'il y a deux autres problèmes. Un, la formation, enfin pas la formation, mais la sociologie des journalistes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plantent en disant les journalistes sont là, ils obéissent à leur patron. C'est plus compliqué que ça. Ils n'ont pas besoin d'obéir pour la plupart. Ne vous inquiétez pas, ils sont déjà totalement d'accord avec ce qu'ils disent. Ils n'ont pas besoin d'un milliardaire pour leur dire de dire ce qu'ils disent ou pour leur dire de faire ce qu'ils font. Ils le font de bon gré parce qu'ils sont d'accord avec la bien-pensance dominante. Parfois, ils vous interviewent de manière très agressive parce qu'ils sont sincèrement convaincus que vous êtes une ordure et que Macron a raison. Et ça, c'est le cas quand même de la grande majorité des journalistes parce qu'ils sont recrutés dans le même bain idéologique. Donc, il faut, moi, je dis aux jeunes qui voudraient faire du journalisme et qui sont patriotes, qui aiment leur pays, etc., qui sont résistants, eh ben, allez-y. Allez-y. C'est à nous aussi d'occuper le terrain. Je suis désolé. On peut pas toujours pleurnicher en disant, ils sont méchants avec nous. On n'occupe pas le terrain. Il faut l'occuper. Troisième réforme, très importante, très, très importante, c'est la réforme des autorités de régulation des médias. Actuellement, l'ARCOM, qui est le nouveau nom du CSA. Moi, j'ai fait des propositions très concrètes là-dessus. Je pense qu'il faut totalement balayer tout ce truc. Il faut le remplacer parce que c'est nommé à moitié par le président de la République, par le président de l'Assemblée nationale. Enfin, c'est vraiment le copinage. Il faut le remplacer par une assemblée de citoyens français, téléspectateurs. Enfin, on l'est tous, hein, plus ou moins, on rétablit un critère. Pas de compter le nombre de nains, de géants, de noirs, de blancs, de femmes, d'hommes, d'handicapés, de pas handicapés, etc. Non, il y a un critère déterminant, c'est la diversité politique, idéologique à la télévision et à la radio. C'est ça le critère numéro un. Si vous le faites, vous aurez derrière naturellement des hommes, des femmes, des noirs, des blancs, et on s'en fiche. C'est pas ça qu'il faut compter. Ce qu'il faut compter, c'est combien il y a d'antipasses et de propasses dans les débats sur le pass. Pas que des propasses. Combien il y a de frexiteurs et de d'euro-gaga dans les débats sur l'Union européenne? Pas que des euro-gaga. Combien il y a de défenseurs de la retraite et de la réforme et d'anti-réforme des retraites, etc. C'est ça la mission fondamentale. Et c'est celle-ci qu'il faut rétablir. Tout le reste, c'est du bidon, du maquillage, souvent hérité d'ailleurs des traditions américaines, anglo-saxonnes, qui n'ont aucun intérêt, qui sont là pour masquer la vraie diversité. La seule vraie diversité, c'est la diversité idéologique. Tout le reste, c'est bidon. Alors, une autre question, que pense Florent Philippot de la montée chez une certaine droite radicale d'un sentiment antinational qui cherche à créer une sorte d'empire européen? Est-ce qu'il n'y a pas des européistes aussi de droite, d'extrême droite? Alors ça, c'est la vraie définition historique de l'extrême droite. La vraie extrême droite, souvent le terme est usurpé. Hein. Tout le monde est d'extrême droite. Dès que vous brandissez un drapeau français ou que vous êtes anti-Macron, vous êtes d'extrême droite. Ça n'a pas de sens. Par contre, il y a quand même un vrai courant d'extrême droite. Ça a toujours existé. C'est assez marginal, mais a toujours été anti-national. Toujours. Vous remontez même il y a un siècle. Enfin, j'aime pas faire ça. Moi, je suis pas un fan des références années 30 parce que je pense que c'est bon. On est en 2022. On va arrêter. Mais voilà. Si vous le faites dans une lecture historique, la vraie extrême droite à l'époque était pour une Europe unie. Et pas pour les nations, pas pour les souverainetés nationales. Quand c'est créé dans les années 70 au Club de l'Horloge, etc., ils étaient très européistes. Ils le sont toujours d'ailleurs, hein, pour ceux qui sont de ce courant-là. Je me souviens de personnes de ce courant-là qui disaient l'euro c'est très bien parce que ça sera une monnaie forte pour notre continent, etc. Bon, l'Europe boréale, je sais pas quoi. Et c'est la vraie extrême droite. Donc, il n'y a aucune surprise pour moi. Moi, j'ai toujours su que la vraie extrême droite est très anti-nationale. Et ben, si certains retrouvent ce courant-là, ben, ils retrouvent leur vraie nature. C'est tout. C'est pas du tout mon courant. Moi, je suis, très attaché à la complexité de l'histoire, à la réalité géopolitique qu'il faut analyser. Et quand on l'analyse, sérieusement, on se rend compte que la France et l'Allemagne n'ont pas le même intérêt. C'est pas parce qu'on est deux peuples historiquement blancs on est forcément à mettre ensemble. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Nous avons des divergences d'intérêts qui sont très nombreuses et très profondes sur certains sujets. Ce qui veut pas dire qu'on doit se faire la guerre, certainement pas. Ce qui veut dire qu'on doit être conscient de nos intérêts et les défendre. Et donc être souverain. Voilà.
Une question d'actualité brûlante d'Elric Rouge Sombre. Que pense Monsieur Philippot de l'ingérence de Monsieur Zelensky dans pratiquement tous les colloques institutionnels en France ? Dernier en date, la conférence des maires. Tous les colloques institutionnels au monde. Il est partout. Il est même à Strasbourg, Venise, il est à l'ONU, il est à l'OTAN, il est au G20, alors en France aussi, y compris... Effectivement, alors, chez les maires, il est... Ah oui, j'ai vu ce soir, d'ailleurs, qu'il réclamait aux maires français de l'aide pour passer l'hiver. Je crois que les maires français, ils ont déjà suffisamment à s'occuper de leurs pauvres. Hein. Nous sommes un pays qui a 10 millions de pauvres, probablement beaucoup plus demain avec la crise qui nous tombe dessus, là. Zelensky, c'est quoi ? Zelensky, c'est un pantin. C'est un pantin. Pas le premier, c'est pas le dernier. Je pense que les Américains vont le jeter comme une vieille chaussette. Et la marionnette, ces derniers temps, devient un peu folle. Mmh. Hein. On sent qu'il la veut, sa guerre mondiale. Alors, il y a eu le coup des missiles russes, entre guillemets, en Pologne. Oui, là, il a été pris la main dans le pot de confiture. Il a menti. Et il a fait. Mais c'est son. Et ça s'est vu. Oui, ça s'est vu, ça a été dénoncé même. Mais, y compris dans la presse française qui a fait pour une fois des articles pas très sympathiques. Enfin, c'était très irresponsable. Parce que si vraiment c'était un missile intentionnellement russe en Pologne, pays de l'Union européenne et de l'OTAN, c'était une guerre mondiale. Par toutes les règles des jeux d'alliance. Bon. Donc, il le sait. Là, j'ai vu depuis quelques jours, il réclame que l'OTAN vienne protéger en Ukraine les centrales nucléaires qu'à mon avis lui-même bombarde. Zaporizhia en particulier. Si l'OTAN met officiellement les pieds en Ukraine, il sait ce que ça veut dire. Donc on sait ce qu'il cherche. Donc ça commence à inquiéter, y compris j'ai vu des généraux américains qui disaient mettez-vous à la table de négociation, arrêtez vos bêtises. Bon. Donc je crois que la marionnette qui, en fait, Zelensky, il est sous pression dans son pays d'ultranationalistes. De gens qui, des jusqu'au boutistes, y compris les nazis, hein. On le sait, hein. Ça, il paraît qu'on n'a pas le droit de le dire, mais enfin, c'est la vérité. Nous publions d'ailleurs au Cercle Aristote un livre passionnant sur le sujet, dans l'ombre d'Hitler, avec une préface d'Éric Branca sur l'utilisation par les services américains des néo-nazis en Ukraine. C'est ça. Et donc, lui-même, il est un peu dans une fuite en avant, et la marionnette est en train de devenir folle, le pantin fou. C'est ça, Zelensky. Mais il n'en reste pas moins que pour l'instant, comme il n'a pas encore, il est tout à fait possible qu'il soit jeté, comme tu disais. Mais pour l'instant, il l'a pas été. Donc pour l'instant, il reste le héros. Certains ont dit Churchill, et ça, enfin, n'importe quoi. Un Churchill quand même avec quelques dizaines de millions dans les comptes offshore et tout le reste et un peu bon. Et ils n'ont pas les mêmes. Je suis pas sûr que lui. Carbure beaucoup au whisky, hein, c'était le. C'est ça. Notre ami, lui, c'est autre chose, je pense. Mais je ferme cette parenthèse, mais en tout cas, Zelensky, pour l'instant, il reste la figure de proue du camp otanien, ils n'en ont pas d'autre. Donc, ça reste le comédien vénéré, donc on l'invite partout. Ce qui devrait quand même mettre la puce à l'oreille de pas mal de monde, hein, c'est quand même très très louche. Hein. Une question. Très, très difficile et passionnante de Taras Bulba. Peut-on dire la vérité si on veut être élu ? C'est un sujet de philo, ça. Eh bien, en ce moment, j'ai l'impression que non. Je ne sais pas si c'est vrai de toutes les époques. Mais la vraie question qu'on devrait se poser, c'est a-t-on le choix de dire autre chose que la vérité ? Parce que de toute façon, si vous faites élire en ne disant pas la vérité, quel est l'intérêt ? Beaucoup l'ont fait. On peut documenter ça. Sarkozy, 2007. Il n'a pas dit la vérité. Il a annoncé plein de choses. Il ne les a pas faites. Il a fait l'inverse. La France, ça n'a servi à rien. 5 ans, c'est même de catastrophe. Hein. Je rappelle que c'est quand même lui qui nous a remis dans l'OTAN, commandement intégré. Guerre de Libye, trahison de Lisbonne. La vente du 1/5 du stock d'or. Stock de la France. D'or. Et puis, même ceux qui avaient suivi beaucoup sa campagne en 2007 sur le sujet de l'identité et de l'immigration n'auront pu être que déçus, puisqu'il a fait plus d'immigration officiellement que Jospin, qui était là avant, qui était pourtant socialiste. Donc, pareil, regardons Tsipras. Il n'a pas dit la vérité. Il était élu, certes. Ça a donné quoi ? Rien. Catastrophe. En Grèce, on peut prendre course en Autriche. Dont Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne, disait « C'est notre meilleur élève. »
alors qu'elle n'a pas été tout à fait élue sur ce discours-là à la base. Hein. Mélanie, je ne suis pas hyper optimiste, je vous l'avoue. Et quand j'ai ça vu commence ses, mal. Hein. Bon, j'ai vu ses dernières déclarations terrifiantes sur enfin, son aplatissement devant Ursula, ses déclarations sur l'Ukraine, il n'y a rien qui me va. Son seul mérite pour l'instant, c'est qu'elle a avancé de 2 mois la date de réintégration des soignants en Italie. C'était prévu le 1er janvier 2023, elle l'a avancé au 1er novembre. Très bien, c'est une bonne décision. Ça, c'est à mettre à son crédit, mais c'est assez maigre par rapport à tout ce qui s'annonce. Donc la vraie question, c'est celle-là. C'est pour ça que je reviens à la question centrale. Est-ce que tout passera forcément par la voie électorale et par les urnes? J'en suis pas totalement certain. Parce que je ne sais pas si notre époque a suffisamment de panache, de courage pour élire la vérité. Un discours de vérité, de conviction sincère. Je n'en suis pas certain. Est-ce que le débat est organisé de telle manière à ce que ce soit encore possible ou même possible? Je n'en suis pas certain non plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le terrain électoral. Il faut essayer de... Il ne faut jamais être pour la politique du pire. Hein. Donc il faut essayer de au moins limiter les dégâts par ce terrain-là. Mais ça veut dire qu'il faut investir massivement les autres terrains. Et peut-être préparer une époque où la vérité sera plus facilement admise et éligible, on va dire. Moi, je dis qu'en ce moment, nos idées sont difficilement éligibles. Dans le sens où on a fait ce choix. Moi, je veux dire, hein, moi, je n'ai pas eu mes 500 signatures de maire parce que j'ai fait le choix de continuer les manifs tous les samedis. Et parce qu'on m'a dit explicitement que ce sujet-là dérange les maires. C'est même pas qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, c'est juste que ça les dérange parce qu'ils ont le sentiment que ça crée de la division parmi leurs administrés, les associations, etc. Et les maires n'aiment pas ça. C'est pour ça que beaucoup de maires que j'ai rencontrés étaient pour la vaccination obligatoire, non pas parce qu'ils croyaient au Saint Vaccin, mais parce qu'ils disaient « je vais être tranquille, au moins si tout le monde est obligé de se faire vacciner, on m'en parlera plus ». Ce qui, à mon avis, d'ailleurs, était une utopie. Hein. Je pense que ça aurait créé beaucoup plus de problèmes encore. Mais, en tout cas, vos manifs, là, arrêtez, etc. C'est ce qu'on me disait. Et donc, c'est pas ces maires-là qui m'auraient donné leur signature. Ils m'auraient peut-être donné leur signature si j'avais dit « bon, bah, je fais une pause de 6 mois, j'arrête tout ». Oui, mais enfin, si je faisais ça, d'abord, je me sentais mal personnellement et j'abandonnais des gens. Et on abandonnait le terrain, c'était une horreur. On pouvait pas faire ça. Donc, voilà, il y avait une contradiction flagrante, et je ne pouvais pas la résoudre. Une question de Rico Del Toro. Florian Philippot a-t-il de bonnes relations avec des personnalités politiques supposées à gauche? Est-ce qu'il n'y a pas eu des rapprochements étonnants, justement, là, depuis 2 ans, avec le Covid, où on s'est mis à parler avec des gens qui étaient plutôt étrangers à notre cause? Oui... avec qui je pourrais qui aujourd'hui alors un discours en fait le problème des gens qui se disent de gauche, des personnalités politiques qui se disent de gauche, je vais te dire, j'en ai pas beaucoup en fait de relations tout court, parce que, et tu le sais je pense aussi bien que moi, il y a peut-être une différence, hein, je nie le clivage, bon, mais je reconnais une chose entre ceux qui se disent de gauche et ceux qui se disent de droite. Souvent, ceux qui se mettent dans le combat de gauche sont beaucoup plus sectaires que ceux qui se disent de droite. Ça, c'est extrêmement facilement vérifiable. Et donc, il m'est beaucoup plus difficile d'avoir des contacts avec eux. Y compris des gens qui disent à peu près la même chose que nous. Oui, c'est que même sur le Covid, on a vu des personnalités, Laurent Boucheli, etc., mais qui n'ont jamais franchi le Rubicon. Non, pour des raisons sottes. Hein. Pour des raisons, excuse-moi, ouais. C'est très sot. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. Moi, je n'excuse pas ça. Je n'excuse pas le sectarisme. Il faut dépasser ça. Hein. Il faut dépasser sa nature. Hein, parce que les enjeux sont trop graves. Mais j'ai souvent été confronté à ça. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais c'est quand même très souvent le cas. Hein. Très, très souvent le cas. Une question de David. Pourquoi les syndicats ne sont plus du côté du peuple travailleur? Quand s'est fait la cassure? Quand s'est fait la cassure Parce que là, par exemple, sur le Covid, ils se sont laissés complètement acheter. Oui, ils sont fait... Alors, oui, bien sûr, ils se sont fait acheter complètement sur le... Mais c'est même pire que ça. Ils ont accompagné la suspension des travailleurs. Ils la soutiennent toujours, d'ailleurs. Et avec, en plus, des arguments qui sont pas acceptables, en disant il faut récompenser ceux qui ont fait l'effort de se faire vacciner. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On est à 10 000 km de la science, là. Donc, je ne sais pas quand c'est fait, là, je suis pas un spécialiste de l'histoire syndicale,
Je crois que c'est un phénomène progressif. Probablement que ça s'est beaucoup accéléré à partir des années 80. En même temps que... Je pense que l'arrivée en fait de Mitterrand en 81 les a un peu endormis parce qu'ils se sont dit ça y est, notre camp est au pouvoir, et en réalité ils se sont fait acheter plus facilement. Ils sont bourgeoisés, en fait. Oui, exactement. Et puis beaucoup sont devenus ministres, etc. Donc je pense qu'il y a eu une rupture. Si je veux pas dire que c'était parfait avant, mais je pense que ça s'est beaucoup accéléré à ce moment-là. Et je pense que aussi le processus d'intégration européenne a été délétère là-dessus parce que l'Europe a eu l'intelligence tactique et assez maligne, au sens maléfique, de leur créer des postes, de leur créer des carottes, des bâtons de maréchal. La Confédération européenne des syndicats offre beaucoup de perspectives de carrière. Vous avez beaucoup de chefs syndicaux français qui finissent là-bas, très bien payés. Et donc, et ça, c'est très malin de la part de l'Union européenne d'avoir créé ça, parce que ce qui fait que je n'ai jamais entendu une grande centrale syndicale française attaquer l'Union européenne. Jamais. Incroyable. C'est bien une machine qui combat le droit des travailleurs. Jamais, par exemple, sur la réforme de la SNCF en 2018, et la grève, et nous, on était dans les manifs, hein, les patriotes, je n'ai entendu une seule fois la CGT ou d'autres expliquer que c'était en fait tout simplement l'application de directives européennes. C'était pas autre chose, hein. C'était exactement les directives de libéralisation. Pareil sur la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, alors ils sont contre, mais je ne les entends pas expliquer ce qui doit être expliqué. C'est une contrepartie exigée par Bruxelles, point. Voilà. Alors, il y a bien une raison pour laquelle ils ne parlent jamais de cela. C'est qu'ils en attendent quelque chose. Voilà. Donc, en tout cas, aujourd'hui, c'est une affreuse soumission. C'est affreux. C'est épouvantable. Pas tous à la base, hein. Il y a des syndiqués dans leurs entreprises qui sont, ou leurs administrations qui sont très sincères. Mais en tout cas, au niveau de la hiérarchie des chefs, c'est une horreur totale. Tous syndicats confondus. Comment Florian Philippot décrirait Emmanuel Macron ? Un génie du mal, un pion dans un jeu d'échecs ou un simple arriviste ? C'est un peu tout ça. Merci pour la personne qui m'a... Non, c'est un peu tout ça. Je pense que c'est quelqu'un... je vais pas redire des banalités parce que le fait que ce soit un pion en partie, bien sûr, bon, mais on l'a déjà dit, le fait qu'il soit très machiavélique, etc., c'est évident aussi. On le voit bien, sa manière de dire une chose puis son contraire, le fameux en même temps, qui est très machiavélique en fait. La manière divisée, j'ai envie d'emmerder les gens, ça c'est une très perverse manière de gérer les gens et de gouverner. Mais moi, pour l'avoir en vue physiquement, parce que je l'ai vu deux fois physiquement, parce que j'ai fait un débat avec lui quand il était ministre de l'économie sur France 2 en 2015, c'est je crois. Des paroles et des actes. Ça devait être ça. Et j'ai ensuite fait une intervention au Parlement européen face à lui physiquement dans l'hémicycle en 2018. Et j'ai à chaque fois vu quelqu'un qui, en fait, très vite prend personnellement l'attaque politique. Ce qui, pour moi, est un signe d'immaturité. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui, psychologiquement, est très immature et donc très dangereux. Et moi, je l'ai vu physiquement serrer le poing quand j'étais au Parlement européen et que je lui ai fait une intervention. Ah, j'avoue, hein. J'étais pas là pour lui compter fleurette, hein. Direct, précise, je l'avais ciselée, écrite comme je le souhaitais, et je lui ai dit les yeux dans les yeux ce que j'avais à lui dire, parce qu'on n'a pas 36 000 fois cette possibilité de le faire dans sa vie. Et je l'ai vu physiquement. J'ai vu son regard devenir vraiment très noir, et je voyais aussi ses poings, il était comme ça sous la table, serrer les poings. Et je trouvais ça presque étrange, en fait. Mmh. Parce qu'il était évident que j'allais lui dire ce que lui considère comme des horreurs politiques. Mais c'était évident. Il pouvait d'ailleurs un peu deviner ce que j'allais dire. Bon. Et il l'a pris personnellement comme cela. Et pareil, sur France 2, il s'est très vite énervé. Il avait même un peu de baffe qui coulait là, je m'en souviens. Non, mais ça me dégoûtait un peu en direct. Je suis très sensible à ça. Mais, c'est vrai, ça m'a marqué. Mais en tout cas, il était pareil. Je l'ai vu et je me suis dit donc il est très immature, voilà, très immature, très et c'est pas normal. À sa position, on ne peut pas l'être. Il gère le feu nucléaire, il prend des décisions importantes tous les jours. C'est pas possible. Mais il l'est.
Une dernière question, je suis désolé, on va pas pouvoir toutes les prendre, il y en a beaucoup, beaucoup, mais on a ces contraintes de temps. Peut-être que la prochaine fois, sur la prochaine mini-émission, on consacrera plus de temps à vos questions, parce qu'elles sont vraiment très, très, très intéressantes. Pour ramener, c'est une question de Mila, pour ramener les Français abstentionnistes au vote, faire de la politique au cul des vaches est-il indispensable ? De retourner un c'est peu un peu sur le sens de ton tour de France là de... oui de retourner voir les gens quoi ouais. C'est ça que ça veut dire non parce qu'on pensait à Chirac sont allés oui quoi, alors il y avait une deuxième question justement d'accord. aussi sur Chirac ça a l'air de beaucoup marquer ou beaucoup marquer beaucoup manquer peut-être aussi au ah français, oui cette, bon moi cette je vais pas alors je... oui oui alors bon Chirac me semble avoir un caractère plus français que tout ce qu'on a eu après, qui me paraît plus déconnecté, plus mondialiste. Mais je ne vénère pas Jacques Chirac parce que politiquement, il y a quand même un bilan compliqué. Mais en tout cas, oui, bon, oui, bien sûr. Non, mais je crois infiniment au fait qu'il faille absolument redevenir être simple, sincère, authentique, aller voir les gens et arrêter de vouloir finasser, de vouloir tromper, berner les gens, c'est affreux. Et puis de toute façon, ça ne, les gens sont pas dupes. Hein, au bout d'un moment, parfois ils sont un peu trop dupes, mais malgré tout, le temps fait son œuvre et au bout d'un moment, les gens séparent le bon grain de l'ivraie. Certes, ça me paraît absolument évident. Mais on rentre dans une époque, on est dans une époque, on ne rentre pas, on est dans une époque de choc tellurique dans le débat politique. On n'est plus dans les... Tu le disais au tout début de l'émission, on nous aurait montré les images des JT il y a 2 ans et demi, on n'aurait pas cru. Ben oui, parce qu'on est rentré dans le... Ça y est, on est au cœur du sujet. Ça y est, le mondialisme est là, il attaque, il est à visage découvert. Ce projet, il est là, mais il était là avant, mais maintenant il accélère. Eh ben, c'est à nous aussi maintenant de dire les choses telles qu'elles sont. On pense ça, on le dit. On pense qu'il faut faire ça, alors on le dit. Moi, je crois que c'est ça la politique demain. Ça sera pas autre chose. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Florian, de nous avoir accordé du temps ce soir. Merci pour ta franchise, ton authenticité. On y a été très sensibles au Cercle Aristote. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, d'avoir liké, d'avoir partagé. N'hésitez pas hein, justement à reprendre des extraits, à les diffuser sur les réseaux sociaux. Je veux remercier toute l'équipe qui m'entoure pour la préparer. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent pour le Twitch du Cercle Aristote. Charles, Jacques à la réalisation, Sinclair, les deux David, Jean-Philippe, Jean, Quentin... tant d'autres que j'oublie, ce sont ces bénévoles qui font la vie du cercle et qui démontrent bien que l'espoir est encore permis. Merci beaucoup, à très vite pour un nouveau Télé la question. Cette émission sera diffusée sur YouTube et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée et bon match.